Il y a dans le livre d'Isaïe quatre textes qu'on appelle les chants du serviteur. Ce sont des textes qui mettent en scène un choisi de Dieu. Le texte ne dit pas si ce choisi de Dieu est une personne, un groupe, une communauté. Et un choisi de Dieu qui vit quelque chose de paradoxal, c'est qu'il est à la fois choisi et dans l'épreuve, choisi et dans la souffrance. Et donc c'est un des textes dans lesquels l'élection de Dieu, vous savez, vous avez le grand livre de Job dans lequel Job est choisi par Dieu, béni par Dieu, et puis il perd tout. Et puis, tout le livre de Job, il s'élève pour dire à Dieu son scandale, sa souffrance, son malheur. Il a des amis qui viennent lui expliquer toutes les raisons théologiques qu'il aurait de se taire. Et Job continue de dire qu'il attend que Dieu vienne lui répondre lui-même. On a aussi les lamentations de Jérémie, dans lesquelles, comme son nom l'indique, Jérémie fait savoir à Dieu, là aussi, la souffrance qui est la sienne, par rapport à la persécution dont il est l'objet, par rapport à l'apparent abandon dont il est l'objet. Il y a aussi de nombreux textes dans les psaumes, dans lesquels celui qui est opprimé par les hommes, des fois qui vit l'abandon de la part de Dieu, notamment ce psaume que Jésus va reprendre sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est le début du psaume 21 ou 22. Et puis il y a ces quatre textes, dans lequel est mis en scène encore une fois un serviteur qui est un serviteur, un homme béni de Dieu, plein d'une humanité de compassion envers les plus pauvres, envers ceux qui sont accablés, et qui dans le dernier chant, le dernier texte sur lequel on va partager ensemble, ne se contente pas d'être dans la compassion, il prend lui-même la place de ceux qui souffrent. Et donc il devient là, surtout dans le chapitre 53, mais déjà au chapitre 50, le serviteur qui souffre, le serviteur souffrant. Voilà. Ce texte, il a été dans la tradition chrétienne, très tôt, considéré comme celui qui annonçait de la manière la plus immédiate le mystère de Jésus sur la croix. Il faut savoir que, vous savez, les apôtres, évidemment, ne s'attendaient pas, ne voulaient pas savoir que les choses allaient finir comme elles ont fini. Et Jésus leur fait savoir, c'est ce que nous donnent les récits de la résurrection, qu'il n'est pas question pour Jésus que sa résurrection annule ce qui s'est passé. Que sa résurrection, c'est le terme de la traversée qu'il vient de vivre. Et le Christ a le soin, dès la résurrection, de ramener ses apôtres à l'endroit où ils ont décroché. Hein. Les apôtres ont décroché avant le moment dernier de la Semaine Sainte. Et on voit bien tous les chemins par lesquels il les ramène à ça. Et Paul insistera. Paul et l'Église primitive, que cette souffrance, ce qui a été vécu dans cette dernière semaine du Christ, n'est pas simplement quelque chose d'héroïque et de douloureux, voyez, après lequel la résurrection tourne la page. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les évangélistes vont prendre le temps de raconter sur de si longs versets la passion elle-même. Hein, la passion, elle prend une place très importante, alors qu'elle est descriptive, voyez, je dirais. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements formulés dans la Passion. Et donc, si déjà les évangélistes prennent le temps de raconter en détail les souffrances du Christ, c'est déjà en écho à ces textes qu'ils connaissent par leur tradition. Et donc, dès l'Église primitive, il y a, c'est plus qu'un parallélisme, hein, c'est une espèce de lecture dans lequel les textes du serviteur souffrant aident à entrer dans la lecture de l'Évangile, et la lecture de l'Évangile aide à entendre, à donner une figure très très concrète à ces textes du serviteur souffrant. Et qu'on peut même dire que ce sont des textes qui ont aidé l'Église primitive à réellement lire dans la Passion quelque chose de Dieu. Hein ? Pourquoi ? Parce que le descriptif de la Passion, on voit ça dans l'Évangile de Marc, est un descriptif qui manifeste plutôt une malédiction. Clairement, cet homme est clairement abandonné de Dieu. Dieu ne fait rien pour lui. Et il est condamné, mis à mort, pour blasphème dans les conditions les pires. Vous voyez, je veux dire, Dieu ne le sauve pas. Donc il n'est pas la figure du salut, il est l'inverse de la figure du salut, il est la figure du non-salut. Et il est la figure même de la malédiction divine. C'est pour ça que
que la communauté juive aura tant de mal, restera sous le traumatisme j'allais dire, si ça s'était fini mieux, sans doute que la foi dans le Christ Messie, et même peut-être la foi dans la divinité du Christ, aurait été plus facile. Que les choses aient fini par une figure de malédiction, que la résurrection, mais la résurrection, j'allais dire, ça reste privé. Enfin, oui, je veux dire, très bien, c'est devenu public, mais ça reste quelque chose qui n'est que pour quelques-uns. Même si c'est quelques centaines, voilà, Jésus ne s'est pas montré au grand prêtre, il n'est pas allé sur la place de Jérusalem le matin de la Pentecôte remplacer les apôtres pour leur montrer montrer à tous qu'ils étaient ressuscités. Il aurait pu faire ça d'ailleurs dès le dimanche de Pâques, hein, puisqu'ils étaient là. Je rappelle qu'au moment de Pâques, le nombre de gens, la population de Jérusalem, j'ai été multiplié par je ne sais pas combien, enfin par 5 ou 6 ou 10. Donc il avait là, un public gigantesque, quoi. Le Christ choisit que la résurrection reste presque un fait privé, enfin pas dans sa réalité, mais il n'est connu quasi que de manière privée. Ça c'est la première chose. Donc j'allais dire, il n'aide pas beaucoup. Et en plus, donc cette lecture de la passion, que la résurrection soit la traversée de la mort, même la divinité du Christ, mais de lire dans la passion quelque chose auquel il faut s'appliquer parce qu'il y a une bénédiction de Dieu et une alliance à y lire, ça tombe absolument pas sous le sens. D'accord ? Et il faudra à Paul plusieurs années, puisque vous savez qu'entre la conversion de Paul sur le chemin de Damas et sa prédication, il y a plusieurs années. Ce qui montre qu'il a fallu plusieurs années pour que Paul devienne capable de formuler ce en quoi ce qui pour lui était un signe de la malédiction qui s'était abattue sur cet homme était en fait le signe de l'absolue bénédiction. Vous voyez bien, c'est pas parce qu'il en avait qu'il était touché dans son cœur qu'il était capable, je dirais, de le formuler théologiquement. Or, on voit bien que dans ses lettres, Paul a pris le temps de le comprendre. Voilà. Et puis, il y a un passage très beau dans les Actes des Apôtres où vous avez l'eunuque de la reine de Candace, donc un serviteur de la reine de Candace qui est dans une espèce de litière portée un char, enfin, vous voyez. Et Philippe, le diacre Philippe, se retrouve à côté de lui et lui dit « Qu'est-ce que tu lis ?» Et il dit « Je lis le livre d'Isaïe. » Donc il est en train de lire ce passage d'Isaïe. Et il lui dit « Mais sais-tu de quoi il parle ?» Et il dit « Mais comment puis-je comprendre de quoi il parle si personne ne m'explique ?» Et Philippe se met à lui... c'est pas grave, on va faire avec. Et Philippe se met... Ça donnera une note, une bande-son originale. Et Philippe se met à expliquer à l'eunuque, donc à faire, vous voyez, à partir de ce texte d'Isaïe, à lui annoncer le mystère du Christ. Donc c'est pour dire que ce texte, voilà, il a dans la... Alors c'est Haïm qui nous dira quelle place il a dans la tradition juive. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'il a un poids différent. Enfin, la souffrance dont Israël est l'objet depuis la chute du mur, de l'effondrement du temple, depuis la chute du temple, jusqu'à aujourd'hui, voilà, est balisé. Donc ce texte a sans doute de plus en plus d'écho. Haïm. C'est génial. Ça va ? Bonjour. Bon, quoi faire ? Ça va. Toujours tu filmes, hein, c'est vrai. Toujours tu filmes. J'ai mis tout. On m'a dit qu'il pensait bien que ça se fasse. Bon. Donc je leur ai présenté en deux mots où était le texte, et comment est-ce qu'il avait pris d'importance. Enfin, il avait été dès le début pour les chrétiens un texte qu'ils avaient mis en parallèle avec la symbolique. Tiens, c'est voilà. Wow, génial. C'est mon unique. Alors, comment on fait ? Mais moi, je me disais que tu pourrais nous le lire. Enfin, tu vois, nous en donner des... Voilà. Bon, ça alors, on va faire très simple, ok ? Mm-hmm. C'est complexe. C'est un texte très compliqué à commenter pour un rabbin face à des chrétiens. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que, de deux choses l'une, je ne peux pas venir à vous dire ce n'est pas votre interprétation qui est la bonne. Bien sûr. Je ne peux pas faire ça, et d'autant que j'ai aucune légitimité pour vous dire votre interprétation n'est pas juste. Maintenant, il est évident que ce texte, notamment le chapitre 53, donc c'est quatre chapitres, mais le dernier chapitre renvoie forcément à des images christiques. Moi, je n'ai pas à dire non, je n'ai pas à dire oui. Simplement, il faut que je vous explique comment nous, on lit ce texte. Et ce n'est pas pour dire ma version est plus juste que la vôtre, mais c'est plutôt pour vous dire voilà comment ça se construit. Parce que je pense que le Talmud est assez fréquemment dans cette théorie d'exposer des points de vue complètement différents et de les rapprocher, non pas en disant finalement on va trouver un modus vivendi, c'est-à-dire on va trouver un équilibre entre les deux, mais c'est justement les tensions entre les positions qui créent
non pas la vérité, mais une forme de vérité. Je vous donne un exemple simple. Et ne crois pas que je fasse ça pour faire une digression, pour avoir moins de temps pour commenter. J'ai aucun souci. Même si, d'une certaine manière, je m'en sors comme ça. Par exemple, sur Rome, quelle est la pensée du judaïsme sur Rome ? C'est très intéressant. Il y a un grand débat dans le Talmud, Shabbat, page 39b, peu importe, dans le Talmud, qui dit la chose suivante. Il y avait trois rabbins qui discutaient. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Pourquoi je cite ce texte ? Parce qu'aujourd'hui, là, jusqu'à la tombée de la nuit, là, nous sommes dans le 33e jour du compute du Homer qui va de Pâques à la Pentecôte, à Shavuot en hébreu, et c'est justement l'anniversaire du décès de ce grand maître qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est, pour nous, c'est un jour très important. Donc voilà, comme ça, ça me permet de dire un enseignement en son nom, et c'est plutôt très bien. Alors, que penser de Rome ? Rabbi Yehuda a dit, Rome, c'est extraordinaire. Rome, c'est formidable, ils font des choses extraordinaires, superbes. Ils font des bains, ça amène de la propreté, de l'hygiène, un peu de bien-être. Ils font des ponts, ça rapproche les gens, c'est formidable. Et ils font de l'urbanisme, et ils ont des places pour créer un marché, c'est extraordinaire, ça rend des villes propres et belles, c'est formidable, bravo Rome. Rabbi Yossé se tait. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui dit, c'est une honte ce que fait Rome. Ils font des bains pour leur propre intérêt. Tout ce qu'ils font de manière, ils le font que pour leur propre intérêt. Ils font des bains que pour se livrer à des orgies et avoir une sorte d'hédonisme insupportable qui empêche de faire quoi que ce soit d'autre. Ils installent l'urbanisme avec des marchés pour mettre des prostituées dans ces marchés. Et ils font des ponts, c'est vrai, pour mettre des péages dessus. C'est pas faux. Alors moi, Rome, on s'en fout. Et puis la pauvre Jacqueline de Romilly est un peu morte, même si elle s'est occupée de la Grèce, Rome, enfin tout ça. On pourrait dire on s'en fout, Rome. Transposons, par exemple, avec le capitalisme. Déjà, c'est déjà un peu plus différent. Alors on pourrait dire quoi ? Le capitalisme, c'est super ce que fait le capitalisme. Il permet d'entreprendre. Permet de construire des choses, des grands trucs, des machins. C'est superbe le capitalisme, c'est le rêve. Il fait des très belles choses, c'est formidable. On pourrait dire comme ça, c'est Rabbi Yehuda. On pourrait dire comme Rabbi Yossé, rien. Qu'est-ce que je peux dire? Le capitalisme, il est. Je peux être pour, je peux être contre, il est. Les faits sont têtus. Je peux rien dire d'autre qu'il est là. Et d'ailleurs, se taire, c'est accepter l'idée que on peut hurler contre un principe, mais le principe est. Je peux, par exemple, hurler contre la neige. Je peux dire c'est un scandale qu'il y ait de la neige en décembre et que les aéroports soient obligés de fermer. Mais c'est quoi? J'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas nous qui décidons quand la neige tombe et comment elle tombe. Est-ce qu'on a commandé le bon glycol? Enfin bref, on peut pas faire autrement. Ça sert à rien de dire je suis pour ou contre quelque chose qui est une évidence. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, ce serait ceux qui penseraient que le capitalisme est inéthique. Que c'est vrai qu'on peut construire des choses formidables, mais en même temps, on laisse des gens au bord de la route. Mais en même temps, même les choses formidables qui se construisent ne sont faites que pour nous asservir. Vous prenez par exemple mon téléphone. Formidable, mon téléphone. C'est un truc, je peux faire des milliers de choses avec ça. Mais chaque nouveau truc que je peux faire avec ça, parce qu'au départ, un téléphone, vous savez, c'est quoi ? J'ai une mauvaise nouvelle, c'est pour téléphoner. Chaque nouveau truc qu'il fait, je dois le payer d'une manière ou d'une autre. Dans la taille de l'abonnement, dans... Donc en fait, c'est une façon de m'asservir. Et donc, on est exactement dans la problématique de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui a raison ? Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon ? Les trois ensemble. Ils ont raison, les trois ensemble, parce que, parlons de capitalisme, si vous voulez parler de Rome, si vous préférez, penser Rome, les grandeurs de ce qu'a fait Rome, sans penser les déviations inéthiques qu'a porté Rome, c'est impossible de construire. Et en même temps, Rome, ça a été une partie, c'est notre histoire, c'est notre passé, c'est ce qui nous construit. D'où le problème, par exemple, avec la Grèce, on a un problème dans les Grecs, on leur doit quand même pas mal de trucs, plutôt pas mal, hein. Il y avait des mecs qui s'appelaient Platon, enfin, c'est des gens pas mal aussi. Donc, d'une certaine manière, on leur doit des trucs, alors c'est pas pour autant qu'on doit leur faire des chèques en blanc. Mais en même temps, voilà, Rome est notre passé. Donc, vous voyez, la fonction de la pensée talmudique, elle est là. Elle est de dire, je vais pas dire qui a raison, qui a tort, je vais dire, voilà, les opinions que je vous place devant vous, et c'est dans leur rencontre qu'il y a quelque chose qui relève d'une nouvelle vérité, qui est en fait l'acceptation de la mort de sa vérité première. Donc moi, je ne veux pas, tu vois. C'est pour ça que j'ai hésité. T'as vu, j'ai eu une hésitation parce que je me disais, je vais venir vous dire la version que vous avez de ce texte, où vous dites, bah, pour vous, c'est évidemment la description anticipée de Jésus, la passion, etc. On le crachera dessus dans le chapitre 53. Je vais venir vous dire, non, c'est pas ça. Pourquoi ? Votre religion, vous avez raison d'y croire. Et voilà comment
on peut l'interpréter. Plutôt que de voir le texte, évidemment, j'ai emmené un... J'ai la Bible, la version seconde, qui est assez classique. Et puis j'ai ramené ce qu'on appelle Micro de Gadolot, qui est un commentaire avec Radak, qui est un commentaire assez, assez joli, qui n'est pas imagé, mais qui est très intéressant. Je vais juste vous dire deux, trois petites choses en introduction. Il y a au début du chapitre 50, donc j'arriverai au 49 dans deux secondes, je commence par le 50. Cette idée, assez bon. Après, on pourra discuter sur le serviteur, la souffrance, vous comprenez ce que je veux dire. Chapitre 50, j'ai jamais donné, voilà, c'est à peu près ça de tête le texte, je n'ai pas donné le guet, l'acte de répudiation à votre mère. Enfin, mot à mot, c'est, regarde le chapitre 50, enfin, je l'ai moi, mais regarde la tienne, on va pas d'ouvrir les deux. Où est l'acte de divorce par lequel j'aurais répudié votre mère? Tiens, qui vous a dit que j'ai répudié votre mère? Et la suite? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Je ne vous ai jamais vendu, je ne me suis jamais défait de vous. Je vous ai peut-être mis à distance, je vous ai exilé, je vous ai un peu puni, je vous ai fait pas mal de choses, mais je ne vous ai jamais répudié. Et c'est intéressant parce que, justement, parce qu'avant de parler de l'interprétation que vous pourriez faire de ce texte, je veux revenir sur peut-être une erreur, voilà, si je me permets, du catholicisme et pas du christianisme, parce que le protestantisme, c'est peu engagé là-dedans, qui, à un moment, a pensé qu'il y avait eu ce divorce, cette répudiation. Mmh. Et donc, puisqu'il n'y avait plus le lien, regarde la suite, le verset après, puisqu'il n'y avait plus ce lien avec Israël, il fallait donc remplacer Israël et devenir soi-même le véritable Israël. Mais voilà, si on croit le chapitre 53, il faut aussi croire le chapitre 50, qui dit « chacun sa vocation propre ». En tant que chrétien, vous avez votre vocation propre. Et en tant que juif, vous avez une vocation, nous avons une vocation propre. C'est ce qu'a rappelé Jean-Paul II, c'est, je crois, l'acte formidable de Jean-Paul II, entériné ensuite par Benoît XVI, mais cette idée-là. Et on le voit, regardez, on le voit dans Jérémie, le prophète Jérémie, qui dit la chose suivante. Il commence à parler au fils d'Amnon. Il y avait deux peuplades, Amnon et Moab, qui étaient... À côté, Amnon, c'est en gros Amman, l'Amman actuel. Au fils d'Amnon, qui rêve finalement de supplanter Israël sur sa terre et dans sa vocation, il leur dit « Je vous ramènerai à votre terre. » Sous-entendu, je ramènerai chacun à sa destinée profonde. Il y a une grande idée dans la Bible qui est assez étonnante, qui est débattue dans un passage du Talmud, qui pose la question « Est-ce qu'un habitant de Ammon et Moab, un de ces deux peuples, a le droit de faire partie du peuple d'Israël ou pas ? » Pour vous, vous dites, on s'en fout. Quelle question ? C'est une question essentielle, même pour vous. Pourquoi ? Parce que comment Jésus se situe dans la filiation ? C'est par David et par Boaz. Or, Boaz a épousé qui ? Bravo, Ruth. Qui était d'où ? De Moab. Donc, si on dit que ça ne marche pas, alors, il y a un problème dans la filiation. Or, il y a marqué dans la Bible, l'homme d'Ammon et de Moab ne rentrera pas dans le peuple. Pourquoi l'homme et pas la femme ? Parce que les Hébreux étaient dans le désert à la sortie d'Égypte, ils ont besoin d'eau, de pain, et ils disent à Moab et à Ammon, deux peuplades, nous aimerons, vendez-nous du pain, donnez-nous un peu de pain, d'eau, rien. Yomer Edom, Edom dit, Alta Avorbi, tu ne passeras pas chez moi. Pen Bacherev et Telekratera, parce que sinon, avec l'épée, je sortirai devant toi. Les commentaires disent, c'est pas la vocation des femmes d'aller proposer de l'eau à des gens qui passent. C'est des rapports guerriers, c'est aux hommes d'accepter ou pas, tranquillement. Bon, ils n'ont pas voulu. De là, la Bible dit, plus jamais les hommes d'Ammon et les hommes de Moab n'entreront dans le peuple. Bien, c'est réglé. Les femmes, c'est bien. Un homme vient et dit, moi, je suis de Moab, d'Ammon, et je veux rentrer dans le peuple. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Rabban Gamliel, le maître très dur, très strict, dit, dégage. Toi, non. Parce que c'est clair. Rabbi Yoshua se lève et dit, il peut. Pourquoi ? Parce que Sanhérib, roi d'Assyrie, a mélangé tous les peuples. Très intéressant comme concept. Le concept est le suivant. Ce n'est pas qu'un concept guerrier. C'est un concept, au niveau guerrier, c'est intéressant. Quand vous prenez une population, Rome était spécialisée de ça, pour faire ça. Rome,
faisait la conquête d'un pays, plutôt que d'avoir une résistance qui veut reconquérir le pays, prenez les gens, il est déporté, mais pas dans le sens qu'on emploie maintenant. Déporté au sens de les prenez de là, trac, il les mettait là, ceux de là, il les mettait là. Et donc les gens n'étaient plus attachés à une terre. La seule chose qui les reliait finalement à quelque chose, c'était la fidélité à Rome. Et donc, Sanhérib, roi d'Assyrie, a fait la même chose. Mais spirituellement, ce qu'il a fait, c'est qu'en hébreu, Bilbel Kolahumot, il a mélangé comme le mot de Babel. Oui, Bilbel, il a babélisé, si je puis dire, l'ensemble de l'humanité. Autrement dit, il a fait perdre à chacun sa vocation profonde. Et de ça, les textes disent, je ramènerai aussi les captifs d'Ammon et Moab, pas les Hébreux captifs dans Ammon et les Hébreux captifs dans Moab, mais bien Ammon et Moab, dans leur spécificité, je les ramènerai chez eux. C'est-à-dire, je les ramènerai dans leur vocation profonde. Et voilà pourquoi cet homme de Ammon a pu rentrer dans le peuple, parce que Rabbi Yehoshua a dit, il nous dit qu'il est d'Ammon, mais enfin, il est né à Ammon par accident. En réalité, il est peut-être d'ailleurs et on n'a aucune certitude. Donc, on le prend, point barre. Et il va le faire. Donc, vous voyez que dans Jérémie, quand il parle au fils d'Ammon, c'est aussi cette idée de dire, ne croyez pas que vous pouvez prendre la place d'Israël. Jérémie 49 de tête. Et on voit ici aussi ça dans 50, cette fois-ci, Isaïe, chapitre 50. Cette idée, j'ai pas répudié votre mère. N'ayez pas peur, vous ne serez pas supplanté dans votre vocation profonde. Et la vocation, elle est là, juste après. On voit quelque chose d'assez fort. Alors, c'est dans le chapitre. Là, je reviens au chapitre précédent, avec quelque chose de très intéressant. Après, j'arriverai au fait comment on interprète ça. Et je vais vous dire pourquoi on ne l'interprète pas en disant ben, c'est évidemment Jésus. L'idée, c'est la suivante. Heidegger est assez sur une position. Je n'ai pas une grande affinité avec ce brave homme, enfin, pour d'autres raisons que sa pensée philosophique, hein, mais bon. Lui, il est sur une position très, j'allais presque dire, capitalistique à outrance. Il n'a aucun attrait pour le social. Il le dit clairement. C'est entraîner l'homme à ne pas vouloir se dépasser. Et d'ailleurs, j'ai un passage du Talmud, bon, si vous voulez, je vais vous le citer, que je trouve vraiment lumineux, qui décrit Rome. Alors évidemment, moi, je travaille sur Rome, mais enfin, je travaille beaucoup en ce moment sur ce qu'est l'économie, le capitalisme. Et je vais vous dire ce texte du Talmud qui est assez lumineux. Il explique que Rome, c'est Megillasis, bon, peu importe. Faites-moi confiance, sinon je vous le sors. Mais... Tu me fais confiance? Allez, ça roule. Megillasis B. Voilà, comme ça, tu sais, tu pourras le vérifier. Rome, chez Beitalkia, chez Beyavan, comme ça c'est marqué. Rome, qui est Italkia, comprenez Italie, chez Yavan, de la Grèce. Voilà comment est présenté Rome. C'est une immense ville qui fait 600 par un singe, sur 600 par un singe, bon, symbolique, dans lequel il y a 365 marchés, comme un par jour du soleil. Le plus petit de ces marchés, c'est le marché des vendeurs d'oiseaux. Il fait 16 par 100, peu importe. Et le roi vient dans chacun de ces marchés et il mange chaque jour dans un des marchés. Voilà ce que dit le Talmud. Maintenant, vous comprenez l'histoire en disant c'est joli, Rome, il y avait des marchés, plein de machins, c'est joli. C'est la mondialisation. Hein ? C'est la mondialisation. Alors, ma vision de ça, oui, c'est exactement c'est inacquérible, ça. C'est la mondialisation. Mon idée, c'est ça. Avec un petit truc en plus, tu vas voir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? Rome, c'est l'endroit où tous les jours, il peut y avoir une différence. Vous pouvez marcher, c'est comme nous, on était très fiers de nous dire, nous sommes le pays où 365 fromages. Quelle différence ? Rome, il dit, c'est la ville à 365 marchés, et nous, on dit 365 fromages. Ce qui prouve que notre République rêve de fromages, les fameux fromages de la République, et Rome rêvait de marchandisation. Rome rêvait de marchandisation. Au point, moi, ma vision, c'est qu'il y a une diversité absolue, mais que tout s'achète. On peut tout acheter. C'est l'échange standard. Tout est achetable. Et alors, vous allez voir, c'est plus loin. Pourquoi les oiseaux ? Parce que les oiseaux, c'est le plus petit marché. Les oiseaux, ça vole les idées. Même les idées, les valeurs philosophiques, la spiritualité, on peut même la vendre. Il y a de quoi acheter. C'est l'offrande du pauvre, en plus. Hein? C'est l'offrande du pauvre, oui, au temple. Non, il n'y avait plus pauvre. Ouais. La farine. Ah oui, la farine. L'oblation de farine. Ouais. Mais tu as raison. Les deux oisillons. Mais après, tu as l'oblation de farine qui est encore plus pour les pauvres. Mais bon. Autrement dit, c'est le petit truc méprisé. Le plus méprisable, même ça, on peut le vendre. Les valeurs, tout est achetable. Et alors là, pourquoi le roi va manger tous les jours là-dedans ? Un bonhomme qui s'appelle Ivan Illich, qui est un des théoriciens
de la théorie de la libération, par exemple. Il a beaucoup inspiré le clergé catholique. Sud-américain. Voilà, d'Amérique du Sud, bravo. Et il a inspiré beaucoup les gens, je crois, qui ont pensé mai 68. Il était complètement oublié, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, parce qu'il a des... Il était très prophète. Il a beaucoup réfléchi sur les effets pervers de la mondialisation. Exactement. Mais en 65, 6, il a écrit... Personne ne savait ce qu'existait la mondialisation. Tout le monde s'en foutait. D'ailleurs, on rêvait de la mondialisation à cette époque. Parce qu'on rêvait de quoi? Du modèle américain. C'était le rêve absolu en 64, 65. Donc en fait, c'est une... Oui, j'aime ta... Il a critiqué l'industrialisation de la médecine. Exactement. Et l'industrialisation de l'éducation, voilà, en disant que c'était la mort. Oui. De la manière occidentale, oui, de vivre. Et je pense qu'à mon avis, il a inspiré aussi des gens comme Anjonas, tu vois, tout qui a toute cette pensée sur la responsabilité. Voilà. Bien sûr. Et sur les méfaits de l'industrialisation qui empêchent l'homme de revenir à ses limites. Bon, ouais, peu importe. Ivan Illich explique que le capitalisme, dans une phrase extraordinaire, que le capitalisme, c'est quoi? C'est donner l'illusion à chacun qu'il peut accéder à tout. Alors maintenant, regardez. Mon passage du Talmud. Le roi va dans chaque jour un marché différent et il mange dans le marché. Ça veut dire, ce qui m'intéressait pas que le roi mange, c'est que moi je peux acheter dans le marché ce que le roi mange. Donc, je peux, le Talmud dit exactement la même chose qu'Ivan Illich, c'est-à-dire il dit, qu'est-ce que c'est Rome? Quelque chose qui donne l'illusion à chacun des citoyens de Rome, qui finalement, il n'a aucune différence avec le roi. Ce que le roi mange, lui, il le mange. Il suffit de pouvoir l'acheter. Mais pouvoir l'acheter... Il faut avoir les moyens de l'acheter. Et donc, on te dit, tu peux y arriver. La réalité, personne ne peut l'avoir. Enfin, je fais attention. Attendez, je vérifie deux, trois trucs. Non, je fais attention. Bon, par exemple, vous l'achetez. Le problème, c'est que c'est filmé. Vous l'achetez, non, pas une Rolex. Maintenant, on ne parle plus de Rolex. Vous l'achetez une Chanel, un machin. Un tailleur Chanel. Okay. Rêverais de pouvoir offrir ça à ma femme. Bon. Je ne peux pas lui offrir le tailleur Chanel. Vous savez ce que je fais? Je lui offre un parfum Chanel, qui est beaucoup moins cher, parce qu'il est accessible. Mais en accédant au parfum qui est beaucoup moins cher, j'accède à une part du rêve de l'univers de Chanel. C'est ça l'idée du marketing. C'est-à-dire que je ne peux pas, mais on me fait rêver avec un truc inaccessible. Voilà pourquoi, par exemple, quand une marque, elle a une boutique sur les Champs-Élysées, l'enjeu n'est pas tant de rentabiliser, s'ils peuvent encore, tant mieux, mais l'enjeu n'est pas tant de rentabiliser le lieu avec les ventes, machin, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de créer une image qui va être rentabilisée sur d'autres points. L'idée, c'est de faire, je sais pas moi, par exemple, vous rêvez de la Mercedes, je sais pas, le dernier modèle de Mercedes, d'accord? Vous pouvez pas l'avoir, c'est pas grave. En achetant la classe A pourrie d'occasion, machin, vous voyez, avec les enfants derrière et tout ce que vous voulez, là, vous avez peut-être des gens qui ont des classes A, j'en sais rien, mais non, parce que moi, j'ai dit à ma femme, jamais de voiture allemande, c'est mon choix, donc là, je suis tranquille, je peux parler de Mercedes tant que je veux. Mais il n'empêche que, avec la classe A, j'achète une part du rêve de la Roadster avec les ailes papillons. Mieux que ça, pourquoi Renault investit tant dans la Formule 1? Parce que vous, quand vous achetez votre Twingo, vous achetez une part du rêve de Alonso sur sa Renault Formule 1. C'est ça, mais je suis très sérieux. Bien sûr. Et donc, quand le Talmud dit « le roi est dans Rome et il mange dans chacun des marchés », vous, citoyen de Rome, vous dites « moi, je suis un roi potentiel ». Puisque je mange exactement ce que le roi. Parce que, oui, j'aurais dû vous dire avant que le Talmud établit une distinction absolue entre une nourriture qui est olée al Shulchan Melachim, qui monte sur la table d'un roi, et ce qui n'est pas digne de monter sur la table d'un roi. En gros, on peut offrir au temple tout ce qui peut monter sur la table d'un roi. Il y a des choses que vous ne serviriez pas si le roi ou le président venait manger chez vous. La potée, machin, truc que vous faites et que vous adorez, qui est très bonne, vous la ferez pas au roi. Vous faites un truc de tralala. Bon, parce que les rois, ils aiment les tralala. Enfin, dans notre tête, on pense que les rois, ils aiment les tralala. Moi, je vois bien, des fois, on nous invite, on nous fait des trucs tralala et nous, qu'est-ce qu'on aime? Une bonne soupe avec un truc, c'est tout ce qu'on aime. On aime les trucs simples, des fois. Mais peu importe. Dans l'idée qu'on se fait, il y a des choses dignes de monter à la table d'un roi et des choses indignes d'être présentées sur la table d'un roi. Le Talmud dit, Rome, c'est le rêve que le roi mange exactement ce que moi je peux manger. Et Illich l'explique. Il faut voir comment ça rentre dans le texte. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand Heidegger explique que le social, il n'y croit pas parce que ça va rompre l'idée que par mon travail, je peux transformer tout, je peux tout acquérir, il a un mépris profond pour le social. Lévinas lui répond. Écoute cette phrase, parce qu'elle est extraordinaire. On la retrouve ici, dans le verset 10. Regarde, 50 ou 49. 49. Là, 49. D'abord, je te dis ce que Lévinas dit. En réponse à Heidegger,
Donc, il méprisait le social. Lévinas répond, c'est méconnaître la sincérité de la faim et de la soif. Il relit le verset. Ils ne ressentiront ni faim ni soif, le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus, voilà. Car celui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers voilà. Les sources de vivre. Et donc, Lévinas dit, si il promeut une idée que d'absolu et de réussite, c'est méconnaître la sincérité de ceux qui vivent donc la faim et la soif. Et là, j'arrive à la théorie du serviteur. Qu'est-ce que c'est le serviteur, finalement ? Alors, pourquoi on ne va pas dans l'idée de dire, finalement, c'est l'annonce ? C'est que un des grands enseignements de la Bible pour nous, c'est que la Bible, elle doit nous parler directement. Or, si je dis ça, ça annonce un tel... Je le sors de sa réalité. Surtout, je m'extirpe, moi... De ce que ça me dit. De la vocation d'être moi-même serviteur. Monsieur. Je ne peux pas dire à la fois c'est lui et c'est moi, sauf à m'identifier. Alors, ça pose un autre type de problème. Or, il y a trois versions possibles de ce passage. D'abord, moi, j'élimine le premier parce que je n'y crois pas. Quand je dis je n'y crois pas, c'est que théologiquement, moi, je me place dans l'idée que ce texte, c'est le prophète Isaïe. Alors que la critique biblique, et mon copain Dorme en particulier, disent, il y a Isaïe, Deutéro, Isaïe, machin, c'est leur affaire. Pour moi, Isaïe, c'est un prophète, ça vient de Dieu. Après, vous pouvez monter, descendre tant que vous voulez, ça m'importe peu. Et d'ailleurs, sans vouloir créer victoire, tout le monde se foutait de nous et des rabbins en particulier, et un peu des prêtres, sauf que les prêtres avaient quand même un peu viré leur cutie en disant quand même, c'est pas idiot ce que raconte la critique biblique. Sauf que manque de bol pour eux, en 47, on a trouvé dans les grottes de Qumran exactement l'Isaïe tel qu'on l'a. Et il faut dire ce qui est, il donne quand même raison à ce qu'on appelle la massora, c'est-à-dire la transmission historique. J'y peux rien. Je peux ce qu'on veut. Donc je ne suis pas d'accord pour dire que l'auteur de ce qu'on appelle Deutéro-Isaïe, qui est exactement ce passage-là, un peu plus large d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, 10 chapitres de plus, ça serait quelqu'un d'autre qui serait arrivé en gros 200 ans après. C'est-à-dire en gros entre l'exil de Babylone et l'arrivée de Cyrus. Bon, je reste dans l'idée qu'Isaïe, c'est en gros moins 700. Alors que d'après la critique biblique, Isaïe, ce Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire cette partie-là, serait moins 560 par là. Bon. Ça, j'élimine. Deuxièmement, donc c'est pas lui. Deuxième hypothèse, c'est quelqu'un qui est annoncé. C'est évidemment votre théorie. Troisième hypothèse, ça concerne Israël. C'est la vocation d'Israël. Or, vous êtes Israël aussi. Vous n'êtes pas les seuls Israël, mais vous êtes aussi Israël. Nous sommes tous, de ce point de vue-là, dans la lignée du texte. Alors, puisque je ne veux pas m'exonérer de cette vocation de serviteur, y compris serviteur souffrant, mais c'est très beau, dans le chapitre 53, par exemple, il explique que cette souffrance, c'est celle que les autres lui ont plaquée. Vous diriez-vous dans la messe, miséria nobis, soit peccata mundi, celui qui porte les péchés du monde, c'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est, plus il a été asservi, plus on a déduit qu'il méritait d'être asservi, on a ajouté du poids, et en réalité, lui considérait que c'était sa façon d'être ce que Dieu rappelle dans ce passage qui est assez merveilleux, vous serez hors la goïm, une lumière pour les nations. Comment être une lumière alors qu'elle a été écrasée ? Ben, moi, je me suis dit, finalement, alors, ne parlons pas des juifs, d'accord ? Parlons simplement des humbles et de ceux qui ont été écrasés dans la vie. J'ai vu un film récemment très émouvant. Je conseille de le voir, ça s'appelle La couleur des sentiments. Ah, c'est marrant parce que ce film a poussé une sociologue en France. Alors, vous connaissez le film, l'histoire ? Bon, en gros, c'est dans les années 60. Grosso modo, oui, à un moment, il y a une image, on voit l'enterrement de Kennedy, donc 63. Allez, 60, 63, par là. Une fille blanche qui arrive dans le Mississippi, dans sa famille. Et elle voit que elle voit le statut qui est fait aux nounous, toutes les nounous, qui sont toutes noires. Et donc, elle veut raconter leur vie, ce qu'elles vivent, dans un livre. Alors, le titre anglais, c'est Help. Les femmes de ménage, appelez-la comme vous voulez. Et bon, c'est l'histoire, c'est très émouvant. C'est très... Si vous ne voyez pas ça, si vous ne lisez pas la case de l'oncle Tom, si vous ne connaissez pas toute cette histoire, vous ne pouvez pas comprendre la fierté, le bonheur des Noirs américains à avoir un président noir. Parce que c'est exactement ça. C'est ceux qui sont écrasés, les humbles, les moins que rien. Dans le film, il y a une histoire, à un moment, il y a une bonne femme un peu plus folle que les autres, qui dit, il faut absolument qu'il y ait deux toilettes à la maison.
pas question qu'ils nous transmettent leur maladie et qu'ils fassent leurs besoins dans la même toilette que nous. Donc elle fait construire une deuxième toilette. Bon, et c'est basé sur des faits réels, hein. C'est pas des trucs complètement inventés, mais c'est un film très émouvant. L'idée, c'est ça. Il faut comprendre ça pour comprendre la fierté qu'a représenté et le symbole qu'a représenté Obama et, pour nous, y compris dans le sens de culpabilité, le fait que ce bonhomme, en ayant à peine été élu, en n'ayant même pas eu le temps de dire bonjour à la nation, il avait déjà le prix Nobel de la paix. Je ne pense pas tant que c'était pour son discours de tel ou tel endroit que pour ce qu'il représentait au sens de ça, de ce texte-là. Les serviteurs souffrants qui étaient brusquement reconnus. Alors, il n'y a pas marqué prix Nobel, il n'y a pas marqué président des États-Unis, mais il y a marqué vous serez la lumière des nations. Alors, évidemment, chacun le prend pour soi en disant mais je suis donc serviteur souffrant, parce que dès qu'on souffre, on se dit je suis le serviteur souffrant. C'est aussi une des réponses du texte, et là, on voit bien avec Radak qui dit ça. Qu'est-ce qu'on appelle le serviteur souffrant ? Serviteur, en tout cas, le commentaire, il y a un commentaire là, ici, que j'ai, dit ceux qui acceptent la mission que je leur confie parce qu'ils sont miens. Et cette idée, elle est extraordinaire. C'est-à-dire de faire abstraction de notre propre désir de normalité pour rentrer dans le chemin que Dieu nous impose, ou plutôt nous propose, en nous disant, vous allez être au centre des préoccupations des autres, parce que leur préoccupation sera de vous asservir, de vous écraser, enfin, faut voir, c'est terrible, de vous cracher, enfin, tout. Mais vous resterez fidèles. Vous ferez, d'ailleurs, il y a un très beau verset qu'on pourrait d'ailleurs opposer au verset d'Ézéchiel, il y a un verset qui dit, vous avez fait de votre visage un visage de pierre, alors que dans Ézéchiel, on dit, et vous changerez en cœur de chair vos cœurs de pierre. C'est-à-dire qu'il faut changer son cœur, et ça, c'est pas marqué qu'au temps futur. Pour être ce serviteur, il faut à la fois être capable de changer son cœur de pierre en cœur de chair, qui aime, même si on nous méprise, mais en même temps, son visage est transformé en visage de pierre, parce qu'il ne doit rien exprimer de la souffrance, il ne doit pas donner même cette victoire à ceux qui y asservissent. Il y a une très belle notion dans le chapitre 52, qui est la gratuité. L'humilité, le dépouillement, la gratuité. Qu'est-ce que c'est la gratuité ? C'est quelque chose où on n'attend pas de retour. Et pour nous, c'est par exemple s'occuper d'un mort. S'occuper d'un mort, on appelle ça en hébreu « chesed ve'emet ». La charité absolue, celle d'Abraham, « ve'emet », la vérité. C'est-à-dire quelqu'un dont on n'attend aucun retour. Vous êtes sûr que quand vous faites du bien à un mort, vous honorez un mort, vous accompagnez un mort au cimetière, il ne pourra pas vous le rendre. En tout cas, pas sur Terre. Mais pourtant, on doit le faire. Et honnêtement, les motivations... Hein, ce que fait Toby. Oui. Toby, la nuit, va faire ça. Oui, sauf que... Une seconde. C'est pas dans mon canon biblique. Ah, oui. Mais c'est pas grave, mais c'est bien aussi. C'est quand même chez vous qu'il a été écrit. Ouais. Hein. Parce que chez nous, c'est marquant quand même ce texte. C'est que c'est une de ses activités principales. Et il risque sa peau pour ça. C'est la plus grande des mitzvahs. Ouais. C'est le seul commandement pour lequel on peut tout arrêter. L'étude de la Torah. Accompagner un mort qui n'a pas assez de gens qui l'accompagnent. Les commentaires disent combien c'est ? 12 000 myriades. Tant que quelqu'un n'a pas 12 000 myriades de personnes qui l'accompagnent, il n'a pas assez de personnes. Vous voyez ce que ça veut dire ? On ne dit pas qu'il faut y aller forcément. On dit si quelqu'un n'a pas assez... À vous de juger. Mais il faut 12 000 myriades pour que ce soit décent. Moins que ça, c'est pas assez cher, mon fils. Oui, pas minable. Ça veut dire qu'il faut y aller tout le temps. Mais c'est beaucoup plus joli de le dire comme ça. Ça veut dire, en gros, est-ce que tu as pris ta part de l'honneur que tu dois à cette personne ? Bon, ça pour nous, c'est chesed ve'emet. C'est la gratuité. C'est-à-dire celui où on n'attend rien. Parce que le paradoxe serait de croire qu'une humiliation appelle forcément une récompense. Et ça, il n'y a rien de pire que ça, en réalité. On dit une prière tous les soirs. Tous les soirs, dans le judaïsme, on dit une prière que j'aime beaucoup, qui dit « Retire le Satan de devant nous et de derrière nous. » Alors, les commentaires sont le suivant. Deux commentaires. Le premier, Satan devant nous, c'est celui qui se met en travers de notre route quand on veut faire du bien. Pas compliqué, ça. Et derrière nous, qui nous pousse à faire le mal. Ça, c'est clair. Deuxième interprétation. Le Satan devant nous, c'est le Satan qui nous empêche de faire le bien, en soi ou le mal, peu importe. Avant que je fasse l'action, il se met en travers de ma route, ne fais pas l'action. Mais derrière nous, c'est une fois que j'ai fait la bonne action,
il me pousse le Satan en me disant « Quel homme extraordinaire tu es !» Mais tu as vu ça ? 15 personnes sont passées devant ce clodo, pas un n'a eu un regard. Et toi ? Non seulement tu l'as regardé, tu lui as parlé, tu lui as donné de l'argent. Mais quel homme extraordinaire tu es ! Ça, c'est le truc. L'inverse serait... Vous voyez, voilà pourquoi dans le chapitre 52, c'est très important, cette notion de gratuité, c'est qu'il ne faut pas croire que la souffrance permet d'acquérir voilà, quelque chose forcément. Je souffre, donc je suis. Ce qui était parfois un peu la tendance, non, ce que j'en dis, moi. C'est... Monstrueuse du 17e au 20e. Nos grands-mères ont grandi là-dedans. Voilà, je te laisse le dire. Par exemple, non mais, mes sœurs, j'ose vous dire ça devant vous, Madame et Sarkozy, parce qu'elle voit, elle a son iPhone. Bon, alors, j'ai lu, non, récemment, je suis très attaché à un ordre des Clarisses, parce que peu importe, j'étais à Reims, et il y avait des Clarisses atteint que. Donc, j'ai lu un truc, en raison funèbre d'une des sœurs, et on a dit, c'était une grande dame qui a souffert terriblement à la fin, et on présentait ça comme une grande mesure de... Genre, ça prouve que c'était quelqu'un de bien, elle a souffert comme une chienne à la fin, en gros, je résume, quoi. Ça m'a fait de la peine pour elle. Parce qu'elle aurait pu mourir aussi, comme le dit le Talmud, comme un baiser de l'ange, comme une plume qui s'en va. Comme Moïse. Voilà, exactement. Comme Moïse, enfin, avec quelque chose de serein. Pourquoi considérer que cette souffrance, c'était quelqu'un de bien ? Ça, c'est des résidus de la non-gratuité de ça. Tout à fait. Bon. Saint Thomas dit que c'est l'amour qui fait la valeur des actes, et Suarez et d'autres vont défendre que c'est la souffrance et la difficulté qui fait la valeur d'un acte. Parce que c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Pour un Dieu qui souffre sur la croix, par nature, c'est tentant de glorifier la souffrance, il faut être honnête. Alors comment vous faites pour ne pas la glorifier, parce que, à partir de ce texte-là? Parce que ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas nous qui voulons ce destin. Y a pas de, parce que si à ce moment-là, on trouvait une grandeur à la souffrance, alors ça ne serait plus le serviteur souffrant. On serait une forme d'autoflagellation. Et je vais vous dire, je connais une religion notamment qui considère que plus il y a de souffrance, plus ça hâte la venue de la fin des temps. Donc il vaut mieux encourager la souffrance, y compris des autres, enfin surtout des autres, pour faire venir... Non mais j'ai eu un débat terrible, où quelqu'un me disait froidement, pour que les temps futurs viennent, il faut que tout se déroule, et donc il faut que la vision eschatologique, c'est-à-dire la vision de la fin des temps, se déroule, y compris la destruction, Gog et Magog et tout. Et moi je lui dis non, c'est une option. Il peut avoir l'option soft, il peut avoir l'option dure. Moi, je préfère l'option soft, y compris dans la vie. Et d'ailleurs, il a fallu en France la loi Caillavé pour accepter l'idée qu'on ne trouve plus la souffrance normale. Avec ce que ça implique pour la fin de vie, etc. Mais enfin, je ne pense pas que dans un centre comme Jeanne Garnier, on dise aux gens, plus tu souffres, plus tu es heureux. C'est le contraire. Donc, vous voyez, il y a cette notion de gratuité, elle est essentielle, parce qu'à ce moment-là, si on fait comme le Satan qui nous pousse derrière, si on se dit « j'ai souffert, donc je suis », ce qui est d'ailleurs une déviation très contemporaine. Je suis une victime, donc je suis. Et ça a d'autres effets pervers sur ce quoi je travaille en ce moment. Avant, on cachait ce genre de choses, maintenant, au contraire, on l'avance, parce que je souffre tellement que je... Et donc, je suis. C'est ma dernière façon d'exister. J'ai raté beaucoup de choses, c'est ma dernière façon d'exister, de me livrer. Donc, ça, c'est une vraie question. Cette notion de gratuité, elle permet aussi de ne pas s'enfermer dans une posture que souffrante. C'est quelque chose que les autres nous imposent, mais il faut être capable de garder son visage de marbre, c'est-à-dire de pierre, le verset exact, c'est de pierre, pour ne pas tirer orgueil de cette souffrance. Je n'attends rien de cette souffrance, j'attends de Dieu. Et c'est quelque chose d'assez... Alors, en conclusion... Ce que moi je vous dis avant qu'on ouvre le débat, c'est sur le texte même, et puis je te laisse aussi le commenter à ta façon. Je dirais une chose toute simple. La notion de serviteur, pour nous, elle est présente pas que dans Isaïe, elle est tout le temps. Comment Moïse, Eved Hachem, le serviteur de Dieu. Mon maître, par exemple, signait toujours à la fin, quand il signait Aïn et serviteur de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes les Hébreux qui ont été eux-mêmes esclaves, serviteurs. On commence la lecture de Pâques en disant « Avadim, aïnou les pharaons ». Nous étions serviteurs de Pharaon. Quand je parle, moi, à mes aumôniers, par exemple, je suis aumônier militaire. Quand je parle à mes aumôniers militaires, je leur dis « Les militaires sont les serviteurs de la nation. Et nous sommes les serviteurs des serviteurs. » C'est le plus haut statut. Pourquoi ? Parce que quand Moïse combat, à sa façon spirituelle, quand Moïse combat contre Amalek,
Il lève les mains sur la montagne. Et au bout d'un moment, Moïse est fatigué. Donc ses mains tombent. Or, le verset dit, dans l'Exode, quand les mains de Moïse étaient dressées, le peuple gagnait. Quand les mains de Moïse étaient baissées, le peuple perdait. Aaron et Hur, donc le frère de Moïse et son beau-frère, viennent et se mettent chacun d'un côté et lui portent les mains. Qui a fait gagner ? Moïse ou Aaron ? Peut-être que j'ouvre une parenthèse, j'espère qu'il n'y a pas de militaires ou pas trop de militaires ici. C'est une des questions fondamentales des armées en ce moment. Débranchez cette caméra une seconde, là, parce que je viens de devoir de réserve. C'est une question. On a centralisé le soutien des armées. Le risque que moi, je vois poindre, c'est avoir une armée de cocoy, une armée de punchy, de militaires, le top du top, ce qu'on appelle la pointe de la flèche, et une armée de soutien. C'est-à-dire l'armée... ceux qui, voilà, sauf qu'on voit bien qu'une armée, elle ne peut pas se projeter. Grâce à Dieu, le territoire est à peu près sanctuarisé. Enfin, ce n'est pas toujours le cas. On fait des combats sur le territoire, que vous ne voyez pas parce qu'ils ne sont pas entre Boulogne et Porte d'ici, mais ils sont en Guyane. Et c'est le territoire national. On fait des luttes contre, par exemple, l'orpaillage. On fait des vrais trucs, des vraies missions. Les gendarmes font de la guerre. Il y a des mecs qui tirent dessus. Enfin, et ailleurs. Mais je parle sur le territoire. Donc on a ce risque d'avoir ceux qui sont la pointe et ceux qui sont soutiennent. L'enjeu majeur des armées aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'il n'y a qu'une seule armée. Et que les uns ne pourraient rien sans les autres et que les autres ne seraient rien sans les uns. Ça veut dire que Aaron et Hur ont autant de mérite que Moïse. Et pourtant, ils sont les serviteurs du serviteur de Dieu. Mais sans eux, il n'y a rien. Et moi, j'explique à mes aumôniers, si on pouvait juste tenir les mains de nos militaires quelques instants, on se passerait déjà pas mal. Mais c'est ça, l'idée du serviteur, c'est celui, nous sommes tous des serviteurs. Voilà pourquoi je vous disais, le risque, c'est de dire, le serviteur, c'est sur lui. Non, le serviteur, c'est nous. Nous sommes tous des serviteurs, pourquoi ? Parce que si je vois quelqu'un qui chancelle, je suis son serviteur en l'aidant, c'est un verset clair de la Bible, même pas quelqu'un. Si tu vois l'âne de ton prochain qui chancelle, levé, tu dois le relever. L'âne de ton prochain, plus de raison ton prochain. Donc, on est tous potentiellement les serviteurs. Pourquoi souffrant ? La vraie question, c'est ça. Pourquoi souffrant ? Parce qu'il y aurait cette glorification de se dire « Moi, je suis celui qui permet aux autres d'exister, donc je prends une part de leur honneur. » Mais on te dit non. On va t'avilir, on ne va pas reconnaître ce que tu fais. Dans le film dont je vous parlais, ce qui était terrible, et pourquoi je vous parlais de ça ? Parce que, vous allez voir, dans le film dont je vous parlais, qui s'appelle « La couleur des sentiments », la fille qui arrive, Blanche, qui arrive, qui veut écrire ce livre, elle se rend compte, elle se pose une question terrible. Ces nounous, elles élèvent les enfants, elles aiment les enfants les adorent. Puis à un moment qu'elles grandissent, elles redeviennent comme les autres à les mettre à distance. Et une sociologue, impressionnée par ce film en Amérique, a lancé une étude très intéressante, récente, là vous avez dû en entendre parler, toute la presse en a parlé, sur les nounous noirs, philippines, etc., qui s'occupent de nos enfants, parce qu'elle est allée dans les parcs. Elle est allée dans les parcs, elle a parlé aux nounous. Qu'est-ce que vous vivez ? Et ces nounous, ces africaines, ont raconté les humiliations, les incohérences. C'est vrai, elle raconte que, par exemple, pour embaucher une femme de ménage, elles font passer des entretiens, mais en même temps, on confie les enfants à n'importe qui, c'est vrai. D'où on connaît la nounou, le machin. Alors ça, ne regardez pas un film. Si vous avez des enfants petits, ne regardez jamais La main sur le berceau. C'est un film qu'il ne faut pas voir parce que vous n'avez plus jamais confiance dans aucune nounou au monde. Et donc, ne regardez pas ce film. Mais en gros, c'est ça. Souffrir, c'est dire « je ne suis pas reconnu ». Or, dans notre société aujourd'hui, on comprend ce texte peut-être plus qu'ailleurs, qu'à aucun moment du monde. Dans notre société, où il faut souffrir ou être victime pour être reconnu, où on ne demande que la reconnaissance des autres, voilà un texte qui nous dit « n'attendez pas cette reconnaissance de ce monde, n'attendez pas la reconnaissance de ceux qui sont autour de vous. On peut vous écraser, on peut vous faire, ils n'enlèveront pas ce que vous êtes, ils n'enlèveront pas l'espérance que vous mettez en moi. » Dieu nous dit « je vous relèverai. Je vous remettrai à votre place parce que je n'ai annulé nul lien avec vous. Je n'ai ni divorcé de votre mère, ni je vous ai pas vendu, rien. Ce sont, la suite du verset, c'est ce sont vos fautes qui vous ont éloigné. C'est-à-dire, ne voyez pas simplement la faute de ceux qui vous asservissent, voyez que vous vous êtes mis vous-même dans cette situation d'asservissement. C'est exactement, d'ailleurs c'est un parallèle très fort avec l'Égypte. Qui a créé l'esclavage d'Égypte ? Bien sûr, ce sont les Égyptiens qui ont asservi les Hébreux. Mais en même temps, les Hébreux ont accepté. En hébreu, ça se dit Pessah. La fête de Pâques, c'est Pessah.
mot à mot, c'est la bouche qui raconte. On s'est laissé endormir par des histoires. Et à un moment, on s'est retrouvé esclave, puis c'était trop tard pour réagir. C'est-à-dire que, en gros, on dit, il y a la construction d'une propre glorification à l'asservissement dont on ne peut pas tirer gloire. Et c'est très intéressant pour les rabbins. Peut-être pour les prêtres aussi. Pour les sœurs aussi. C'est-à-dire ceux qui disent, moi, voilà, j'aurais pu faire des grands trucs, des grandes études, j'aurais pu travailler, j'ai plein d'argent, je décide de faire ça. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu le ramènes alors ? Il crase. Mais je le dis pour moi. C'est-à-dire que... par exemple, un exemple très précis, alors bon, comme ça on ne parle pas des rabbins des prêtres, comme ça on s'en ni toi ni moi visé. Mais bon, le bénévolat. Quand quelqu'un est bénévole, c'est formidable. Mais ça ne lui donne pas le droit de la ramener plus que quelqu'un qui travaille. Par nature, si tu es bénévole, ferme-la. Si tu es bénévole, c'est que tu n'attends rien, tu ne demandes rien. Alors, c'est ça l'idée. C'est que parfois on croit qu'on s'asservit aux autres, mais en réalité, c'est pour se glorifier soi-même. Et c'est pas ça que Isaïe nous dit. Voilà. Alors après, on peut discuter de tout. Peut-être toi, tu veux rajouter des choses. Alors, sur moi, le texte, ma grande question... Moi, mais c'est sûr que pour moi, c'est pas d'abord un texte... je peux dire, se servir de Jésus pour le lire, c'est malhonnête vis-à-vis du Christ lui-même. Et vis-à-vis, je disais, de l'Église primitive, parce que c'est... En même temps, tu veux pas empêcher ça. Non, je dis pas que tu peux l'empêcher. Non, mais je suis d'accord, mais c'est faire un peu court. Oui. Oui, voilà. L'important, c'est qu'il ait vécu quelque chose... Enfin, qu'il ait choisi précisément le chemin qu'annonçait Isaïe. C'est ça qui m'importe plus. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas de savoir s'il en est l'exemple. Ce qui m'importe, moi, c'est le détail avec lequel c'est raconté. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et précisément, tu vois, la lecture catholique primaire, c'est de dire qu'il a beaucoup souffert et c'est Dieu qui nous a beaucoup aimés, puisqu'il en a beaucoup bavé, il est héroïque, même qu'il a pris une forme d'homme, et il a, en plus, il a souffert. Très bien. Ça, c'est une bonne manière de mettre à distance, parce que rendre quelqu'un héros, c'est la bonne manière de l'évacuer de son existence et de ne pas voir en quoi ça me concerne. J'allais dire, moi, pour moi, c'est exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans ce texte, je ne dirais pas indépendamment du Christ, mais à l'intérieur de... Pour moi, il y a une correspondance entre ce qu'il est dit de l'intériorité de cet homme et ce qui se passe dans l'intériorité du Christ, de Jésus. Voilà. Et pour moi, ma question n'est pas de savoir s'il est Dieu avant de descendre dans cette intériorité, c'est de savoir est-ce que cette intériorité, elle m'amène à découvrir quelque chose de lui que je n'avais pas vu avant. Voilà. Et de toi. Voilà, et de moi, des deux. C'est-à-dire qu'en fait, mais il faut y descendre. C'est-à-dire que pour moi... Je peux croire ce que l'Église dit sur la divinité du Christ. Le problème, ce n'est pas de le croire, c'est d'aller le voir. Et s'il y a quelque chose où il faut aller le voir, c'est là-dedans. Et pour aller descendre là-dedans, il faut y descendre soi-même. Et donc ma question, elle est, si tu veux, là. On cale dans le texte, on cale quand même. C'est-à-dire que ça va, à petite dose, ça va. Mais le texte insiste et insiste, insiste, il n'a plus de figure, il est meurtri, il est anéanti. Donc tu y vas volontairement, tu n'y vas pas volontairement. Et tu vas jusqu'où volontairement tu vois, c'est quoi la motivation de cet homme? C'est ça ma question, parce que tu peux le subir par hasard, très bien, mais c'est rare que tu subisses tout par hasard. Donc lui, manifestement, il a l'air, où il y a une malédiction sur lui, mais il a l'air de pas chercher à ce que, tu vois, c'est ça. C'est tellement vrai, c'est ce que certains antisémites disent en disant, écoutez, depuis tant que tout le monde vous tape dessus, vous êtes quand même un peu responsable. Et c'est exactement ce qu'on dit à une petite qui est violée, en disant, écoute, elle a quand même dû allumer un peu le mec. C'est exactement ça. C'est que l'asservissement devient la preuve que tu le mérites, après tout. Tout à fait. C'est le bouc émissaire. Tu vois ? Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, comment tu le vis, toi, pour que précisément tu ne rentres pas toi-même ou dans une logique de malédiction, voilà. C'est-à-dire que tu te considères vraiment maudit de Dieu, de révolte ou de morbidité suicidaire. C'est ça. Ou de glorification perverse, ce qui n'est pas mieux, d'ailleurs. Hein bon. Donc, c'est facile. Tu vois, ma question, et moi, j'ai l'impression que le texte, tu vois, on a le sentiment que tout repose sur la relation qu'il a à Dieu. Ce serviteur que c'est pas la confiance qu'il garde. Voilà, c'est ça. Il se passe quelque chose là, et parce que c'est tout, c'est trop, c'est un peu, c'est quand même. Ouais. Et à un moment donné, verset 7, maltraité, lui, il s'humilie. C'est-à-dire, il cherche même pas à éviter les choses. Il est maltraité, il s'humilie. C'est une notion très très moderne. C'est-à-dire que c'est l'idée que si on me maltraite, après tout. Je l'ai peut-être mérité. Et c'est la pire des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus bas que bas. Parce que quand, dans votre tête, vous révoltez, vous n'acceptez pas ça. Mais quand vous dites « il a raison de me frapper », on sait que c'est la limite ultime. C'est-à-dire que les perverses, par exemple, réussissent à faire croire à leurs victimes que le bourreau
a raison d'être dur. C'est ça la phase ultime. C'est-à-dire, maltraiter, regardez, c'est terrible. Il s'humilie en hébreu, c'est nigash. Il est confronté, il est poussé dans ses retranchements. Veunane, et il bouge. Tu vois? Oui, on a presque l'impression, si tu veux, qu'il se met à l'endroit de tout homme. Tu vois, c'est comme cet homme, il descend à un endroit où il n'encaisse pas pour les autres par générosité. Il est devenu tellement l'homme de tout le monde. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer ça. Qu'il n'appartient plus à personne. Voilà, et que du coup, c'est même, lui, il ne le vit pas. Ce n'est pas pervers du tout. Il ne le vit même pas comme anormal. C'est ça qui est terrible. Voilà. Et la suite, d'ailleurs, pendant la Shoah, il y a une chose sur laquelle, moi, je suis assez violemment contre. Évidemment, on pensait bien que ce texte renvoie forcément à des images. Quand vous le lisez, c'est des images. Faut regarder, il y a deux passages. Il y a ça, il y en a d'autres, mais il y a ça. Et il y a dans le Deutéronome, à la fin du Deutéronome, le matin, tu te demanderas qui me donnera un soir. Le soir, tu demanderas qui me donnera un matin. Par sept chemins, tu fuiras devant ton ennemi. Les parents mangeront leurs enfants. Enfin, c'est une horreur. On se dit, c'est des images qui sont racontées. Juste après le verset, c'est comme un mouton mené à l'abattoir. C'est une phrase qu'on a souvent entendue. Les Juifs se sont laissés mener aux Juifs comme des moutons menés à l'abattoir. C'est une insulte pour tous ceux qui sont révoltés. C'est une insulte pour le ghetto de Varsovie. C'est une insulte pour ces vieillards, ces enfants. Tu sais qu'on a amené des vieillards, des enfants, des femmes qui étaient sidérées au sens psychologique du terme, qui n'arrivaient même pas à imaginer. Donc, pas, il n'y avait aucune raison d'abord. Au départ, on en part à l'Est. Et puis, quand ils voyaient ce qu'il y avait à faire, le système faisait qu'on les avait tellement déshumanisés qu'il n'y avait plus cette idée-là. Et pourtant, ils ont dit le schéma dans la chambre à gaz. Tu vois? C'est-à-dire que ils étaient humiliés, ils étaient écrasés, ils étaient anéantis, et ils ont gardé cet espoir. Et c'est cet espoir qui a fait que le peuple juif est resté. Et cet espoir qui fait que, finalement, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est une espérance, quoi. Elle dépend pas de ça. Et moi, je crois que, finalement, la vraie victoire, c'est raconté. C'est après. Imaginez le bourreau qui voit sa victime qu'il a déshumanisée, qui vient et qui lui dit... Il y a un très beau passage après qui vient, qui dit « Hineni ». Tu sais ce que c'est en hébreu « Hineni » ? C'est la phrase que les prophètes disent à Dieu. « Me voici. Me voici à toi. » C'est une phrase formidable. Imagine la victime qui vient et qui dit au bourreau, qui est jugé, qui baisse la tête alors que c'était le maître du monde. « Me voici. Je suis là. Sans père fidélis. » Alors, ce qui est frappant, c'est que tu vois, moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça dit de Dieu ? Parce que... Tu peux lui avoir confiance en lui. Ça dit, même quand tu as perdu tout espoir, tu peux avoir confiance en lui. C'est très dur à croire. Parce que, d'abord parce qu'il y a des morts, il y a des victimes, et alors on dit, leur espoir, il les a sauvés, pas il les a pas sauvés, ils ont espéré, ils ont pas sauvé. Quand tu demandes à prier pour quelqu'un, tu aimes quelqu'un profondément, tu demandes qu'on prie, tu pries pour lui, et tu n'es pas exaucé. Il y a un rabbin qui a expliqué, Rabbi Harlap, et c'est une petite fille de 11 ans, il m'a dit ça il y a pas longtemps. J'étais sidéré. Elle a entendu, elle a rendu. Je trouvais que c'était très beau. Il explique la différence entre la loi et la prière. La Torah, la loi, les racines de la loi, la Torah sont dans le ciel et les bourgeons, les fruits, sont sur terre. C'est à nous de faire ou pas faire les bourgeons. La prière, c'est l'inverse. Les racines de la prière sont sur terre et les bourgeons potentiels sont dans le ciel. Mais croire que parce que je prie, je dois être entendu, c'est de l'orgueil. C'est au moins aussi orgueilleux que de croire que parce que je souffre, je dois être reconnu. C'est ça l'idée, tu vois. Il faut accepter l'idée que parfois on prie pour quelqu'un, on a envie de quelque chose et on ne l'a pas. Et voilà pourquoi le souffrant, ça renvoie à un passage qui est la vraie question du monde, la seule, unique en fait, qu'on appelle en hébreu tzadik veralo, racha vetovlo. Tzadik, c'est le juste dans la souffrance et le méchant dans le bonheur. Voilà. À cette question, pas de réponse. Il faut accepter qu'il n'y ait pas de réponse. Alors, le texte parle de la guérison. Oui. Il dit sa meurtrissure nous donne la guérison. Il a une postérité et il est lumière. Oui. Et la volonté de Dieu, dans le texte, là, se réalise par lui. Ça, je ne sais pas comment c'est en hébreu, mais c'est très fort ce verset. C'est où ? Quel verset ? C'est le verset 10. Du 53. Ouais. Ouais. Il a plu au Seigneur de le broyer. Donc, tu vois, c'est aussi très... c'est très, très contrasté, quoi. C'est le Seigneur qui le broie par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. Et donc, moi, ma question... Oui, retraduit. Non. Non, parce que c'est une des versions, celle-là. Hein, oui. C'est Baratsou, ça. Oh, oui.
Vachem Chafetz Dako, ils ont enlevé le Aleph en plus. Voilà, c'est qu'ils ont... Dieu a voulu, a aimé. Chafetz, c'est... Son âme a voulu, tu vois. C'est pas... Il a voulu l'écraser, mais c'est vraiment... Il a aimé, il a cherché à le faire, à l'écraser. Et Echeli l'a rendu malade, de Cholé. Im tassim Hacham Nafsho. Si tu fais de sa vie, son âme, un sacrifice, alors Hacham, c'est un sacrifice particulier. Yir'e Zera Yarech Yamim. Sa descendance. Alors ça, c'est pas ça. Yir'e Zera. Non, moi je dis. Dormami, il verra une descendance. Moi, je dis, Ir et Zera, sa descendance verra l'allongement des jours. Et Chéfetz Hachem et l'éternel désir, Peyado, Islar, que sa main réussisse. Vous m'avez traduit ? La volonté de Dieu se réalisera grâce à lui. Ouais. Pourquoi ? Elle dit ici. Mais non, ce n'est pas approximatif. Dorme, par exemple. C'est trop riche pour que ça puisse se traduire en une seule version. C'est, les mots veulent dire des choses, mais en même temps, ils sont en contexte. Ils sont, Et puis, c'est nous qui avons des mots pauvres. Enfin, on est dans des langues avec des mots fixés. Enfin, trop fixés, d'ailleurs. Alors que la racine du mot qui est trilitaire, elle est tellement ouverte. Par exemple, le pain, l'echem en hébreu. C'est les mêmes lettres que chalom, le rêve. C'est les mêmes lettres que Mélar, le sel. Comment vous traduisez ça en français? Comment vous dites à la fois le pain, le rêve et le sel? C'est un exemple. Alors après, il faut... Mais bon, là-dessus, c'est un peu particulier. Et tu vois, donc ma question, c'est ça. C'est qu'est-ce, il fait une expérience, ce serviteur, dans la confiance. Si tu veux... Dieu n'est pas étranger à ça, voilà. Évidemment. Voilà. Et donc, ce n'est pas juste qu'il a confiance qu'à la fin, Dieu va quand même faire quelque chose. Là, c'est comme s'il y avait une relation privilégiée qui s'instaurait, qui n'est pas de l'ordre de la récompense. On n'est plus à ce niveau-là du tout. Comme une relation de vie. C'est un lien, une relation de lien. Voilà. Et de vie, voilà, particulière, qui s'établissait dans ce moment-là. En fait, en réalité, cette idée, moi j'aime beaucoup cette idée du visage de Pierre. Puisque j'ai confiance en Dieu... Ce qu'il y a, ça ne m'atteint pas. En fait, ça ne m'atteint pas. Je suis humilié, je suis d'accord. OK. Mais ça ne me touche pas en moi-même. Et vous savez quoi? Même s'il me tue, il ne tuera pas ce que d'autres vont porter après moi. C'est la descendance qui va réussir. Vous voyez? Zera Yarech Yamim. Le Talmud raconte une chose très, très, très belle à propos de Elisha ben Abouya. C'est ce rabbin formidable, que moi j'aime beaucoup, mais que le Talmud appelle l'autre. On ne prononce même plus son nom. Le Talmud raconte que il y a deux commandements dans toute la Bible où il y a marqué la récompense. Vous voyez, la phrase, c'est Yarich Yamim. Ces jours s'allongeront. C'est exactement la même formule qu'il y a dans la Bible à propos de deux commandements sur 613. Le premier, c'est honore ton père et ta mère afin que tes jours s'allongent sur la terre que je te donne. C'est dans les 10 commandements. Et le deuxième, c'est lorsque tu auras un nid devant toi avec des oisillons ou des œufs et que tu veux les oisillons ou les œufs, renvoie la mer avant de prendre les oisillons ou les œufs, afin que tes jours s'allongent sur la terre que je te donne. Le Talmud raconte que ce rabbin, Elisha, fils d'Abouya, voit un jour un père qui dit à son fils, monte dans l'arbre, renvoie la mer, ramène-moi les oisillons. Ok. Le petit monte dans l'arbre, renvoie la mer, descend et meurt. Tombe et meurt. Elisha ben Abouya, ce jour, abandonne tout. Il abandonne tout. Il dit, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de justice. Puisque c'était les deux seuls commandements où la récompense était annoncée. Tu aimeras ton père et ta mère, tu respecteras ton père et ta mère. Il a respecté son père, il est monté dans l'arbre comme le père le dit. Et renvoie la mère des oisillons, afin, vous voyez toujours la question d'empêche, sur les deux, c'est la relation enfant-parent. Bien sûr. C'est-à-dire la reconnaissance, la dette. Mais bon, passons, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si, on va y revenir. Non, mais Elisha ben Abouya, il pose la question qu'on se pose tous. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense. La preuve, je connais des gens formidables qui souffrent, qui sont pas heureux, qui sont machin, c'est injuste, c'est inadmissible. Je connais des gens qui souffrent, je connais des gens qui ont perdu des enfants, je connais... Pourquoi? On s'est posé la question, vous savez, très récemment, avec Montauban, puis Toulouse, à savoir l'engagement des soldats, voilà, des gens qui s'engagent pour la nation, c'est rare hein, de nos jours. Des gens qui s'engagent, qui engagent leur vie, qui prennent le risque d'aller en Afghanistan, d'aller partout où on leur dit d'aller pour défendre la France, c'est rare, hein, des gens comme ça.
et puis des enfants. Et on se dit, mais pourquoi eux? C'est injuste. S'il y a bien quelqu'un qu'une société doit protéger, c'est ceux qui s'engagent pour elle et les enfants. Alors, soit vous faites comme Ilcha Ben Abouya, en disant, bah, c'est qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge, on plaque tout. Soit vous vous dites ça. Vous dites, parce que ça serait trop facile de n'avoir confiance que quand je vois le bien, je dois avoir confiance, surtout quand il y a le mal. À quoi ça sert d'avoir confiance quand tout va bien? C'est comme les gens qui disent, moi, je vais être heureux. Et c'est là que moi, j'irai plus loin, parce que ça, cet exemple, il est celui d'Abraham. C'est, oui, c'est dans la perte du fils, parce que c'est ça qui m'importe. C'est que dans, il y a une expérience de fils. Tu reviens toujours au fils, toi. Ah oui. Oui, t'as raison. Oui, parce que je pense que c'est là. Parce que là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de la paternité de Dieu comme père. Il y a quelque chose que tu expérimentes comme fils dans cette situation de souffrance. Pas une souffrance à toi, une souffrance à l'autre, à ce qui est important pour toi. Tout à fait. C'est parce que si elle est la tienne, t'es saturé par elle. Ouais. Oui, puis en plus, pour le coup. Tu dis, moi, je peux. Voilà. Et tu prends la place de ton père. Voilà. Dans les films, d'ailleurs, les vrais films, c'est jamais le méchant, c'est jamais le gentil qu'on torture. On prend l'héroïne que le gentil aime bien. Et on dit, si tu parles pas, je torture ta copine. Et là, il parle tout de suite. Parce qu'il est trop fort pour... Lui-même, il peut subir la torture. Pas ce qu'il aime. C'est toujours comme ça. C'est un ressort classique. Et alors, précisément, qu'est-ce qui se passe là dans la filiation? Tu vois, c'est... Moi, je pense à cette postérité-là. La filiation, c'est un autre toi que tu acceptes différent. C'est ça. Un autre toi que tu acceptes différent. D'ailleurs, le problème entre les enfants et les quand parents... Quand tu es père, tu veux dire. Oui, entre les parents et les enfants, le problème majeur, c'est que les parents n'acceptent pas que l'enfant soit différent. On voudrait qu'il soit exactement ce qu'on veut, ou en général, ce qu'on n'a pas pu être. C'est très fréquent. Je sais, avec mes enfants, je vois bien comment ça fonctionne. Si je pouvais leur faire faire toutes les écoles que je n'ai pas pu faire, je serais très heureux. Mais en été, voilà, il y en a un... Premier, il ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu. Bon, il est heureux, c'est le principal. Et si tu le retournes, ça peut vouloir... Pardon, j'ouvre une parenthèse. J'adore ça. Filmer, tant pis. Les gens viennent. Alors, il fait quoi, votre fils? Et alors, moi, je dis... je dis ce qu'il fait. Et j'en suis très content, je dis. Parce que, vous comprenez, moi, si on ne fait pas des études top niveau, on est en gros moins que rien. Eh ben non. Je trouve que... Et j'ai même souffert, tu vois, que dans mon esprit... Ce qu'il fait comme étude, eh bien, ce soit si peu valorisé. On a un vrai problème en France avec l'apprentissage professionnel, pour parler clairement. On le voit comme un échec. C'est, honnêtement, on vient vous dire, vous savez quoi, regardez la tête de la prof quand elle vous dit, vous savez, il faudrait penser à l'orienter. C'est quoi l'orienter? Moi, je rêve d'orienter mon fils depuis le début. Quel est le problème? Non, mais vous comprenez. L'orienter. Elle n'ose pas dire le mot. C'est comme quand un médecin vous annonce le cancer, en gros. Il vous dit, allez, faudrait penser à prendre des dispositions. Et comment ça vous tire le truc? Mais c'est rigolo. Et en même temps, j'ai eu honte que moi, je sois dans ce préjugé. Puisque moi, je vois bien comment je réagis. Alors après, j'ai fait l'effort nécessaire pour encourager mon fils et lui dire, je suis content. Et d'ailleurs, dans la présentation que j'en fais, en réalité, je triche, j'en fais une présentation bien quand je veux parler honnêtement avec les gens. Et j'en fais une présentation, voilà, je dis, enfin, CAP, machin, quand je veux choquer, c'est-à-dire je veux dire, je vous emmerde. Mais votre fils, il fait des belles études et machin, et vous voulez me narguer, ben, c'est quoi, je vous emmerde. Voilà. Je suis très contente qu'il fasse ça, parce que mon fils, au moins, il est heureux, et je ne veux pas prendre le risque qu'un jour, il me dise, j'implose face au système qu'on veut leur faire faire. Donc, la réalité, c'est ça, tu vois. Ce n'est pas, ni dans la souffrance, qu'on arrive à trouver une sorte de grandeur, mais en même temps, ce n'est pas... dans une sorte d'hédonisme qui pousse à se dire « je veux être heureux, je ne veux pas accepter la souffrance ». Ça, c'est nous. Il faut accepter ça. Parce que j'aime ton idée, parce que c'est très juste. Dire « voilà, c'est lui, c'est un héros, c'est extraordinaire », mais ce n'est plus nous. C'est le problème dont je vous parlais dans les armées. Si on dit « l'armée, c'est les cocoyes du fond qui vont taper les gens qui vont au combat », nous, on n'est pas là-dedans du tout. Mais c'est faux. Il faut que je me sente aussi investi qu'eux dans ma mission. Si... Et je prends autant de risques dans ma mission, potentiellement. Si tu retournes les choses, ça veut dire qu'être fils, c'était un autre lui, mais différent. Ouais. Voilà. C'est plus difficile, c'est autre chose. C'est le drame d'Isaac, ça. Voilà, et notamment quand Isaac. Tu es dans l'abandon du père. C'est-à-dire que, parce que le moment où tu es autre que lui, c'est le moment où lui, il n'est plus là. C'est-à-dire qu'en gros... Tu ne le vois plus. Voilà, tu ne le vois plus. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de la vraie filiation. Elle est vraie d'Israël, mais elle est vraie aussi du chrétien. Dans ce moment-là, et qu'au fond,
c'est pas facile que la vraie paternité, donc la vraie relation la plus profonde que Dieu a voulu nous proposer, celle de la gratuité dont tu parlais tout à l'heure, elle s'instaure dans le moment même où je perds le contact. Enfin, je peux comprendre ça. Évidemment, parce que quand, c'est marrant, vous n'avez jamais remarqué, quand quelqu'un a un problème, qu'est-ce qu'il crie ? Même à 50, même à 100 ans. Mmh. Maman ! Pourquoi ? Et pourquoi pas Zorro, Rambo ? Je sais pas, un truc plus effectif. Papa, oui. Papa, d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas papa ? Oui, il ne crie pas papa. C'est parce que c'est la relation, vous voyez, et c'est dit d'ailleurs, comme une mère qui abandonne ses enfants. C'est pas possible. Et même si c'était possible, c'est chapitre 49 de tête, même si c'était possible, moi, je serais pas comme cette mère. Regarde le verset. 49, je sais pas combien, au tout début, ou je sais pas. C'est très fort, ça. Je serai avec vous comme une mère. Vous savez bien qu'une mère n'abandonne jamais ses enfants. Le verset 17. Une femme, verset 15. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, n'avoir point de tendresse pour le fruit de ses entrailles ? Attends, c'est impossible. Voilà ce que dit, c'est interrogatif. Une femme peut-elle oublier ? C'est impossible. Quand bien même elle l'oublierait, mais même si c'est possible, je ne t'oublierai jamais. Voilà. Te voici gravé sur les paumes de mes mains. J'étais toujours. Mais tu vois, c'est ça. Donc, ce qui montre bien que tout ce passage d'Isaïe, c'est la même chose. Gravé sur les paumes de mes mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai toujours cette image. Alors, évidemment, vous allez dire que je passe ma vie à voir des films. Vous savez, dans le film Hate et Love, vous savez, c'est comme. Vous voyez ce film ? L'idée, c'est quoi ? La main, c'est l'action. On pourrait penser que Dieu va dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action. Je veux que le monde bouge. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, il propose la seule fois, vous savez que la seule fois où Israël a failli perdre ça, c'est quand ? Ce lien particulier, quand ? L'action. C'est quand ? C'est quand Dieu dit à Moïse, j'en ai marre de ce peuple. Il y a le veau d'or, et Dieu dit, j'en ai marre de ce peuple. Emrein nous messifra. Il dit à Dieu, enfin Dieu dit à Moïse, j'en ai marre de ce peuple, on va les virer tous les égouiller. Et avec toi, Moïse, je vais faire un nouveau peuple. Et Moïse dit à Dieu, oh, si tu veux faire ça, emchenu misifrera. Tu sais quoi ? Efface-moi de ton livre. Moi, je ne veux pas être dans ce jeu où tu prends un peuple et il te déplaît, tu le changes. Non, ça ne marche pas avec ce truc. Moi, je ne veux pas jouer dans ce truc. Si c'est ça ton plan, efface-moi du livre. Et Dieu dit, ça va, calme-toi. Mais attention, petit, on ne me menace pas comme ça. Ce n'est pas marqué dans le truc, c'est les commentaires. Et il y a, nous, on a une segmentation par ce qu'on appelle paracha, un texte qu'on lit chaque semaine, une péricope. Chaque semaine, on lit un morceau de la Bible, du Pentateuque. Et donc, en un an, il y a 52 morceaux, en un an, on fait le tour. Depuis que Moïse est né, donc dans la première section de l'Exode, chaque section, il est là, évidemment, jusqu'à sa mort. Une seule section, il n'est pas là. Une qui s'appelle Tetzavé. Pourquoi ? Les commentaires disent... Deux raisons très belles. La première, il a créé une réalité en disant à Dieu, avec sa parole, efface-moi de ton livre. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Notre parole crée une réalité. Donc quand il a dit à Dieu, efface-moi de ton livre, Dieu était obligé de l'effacer un moment d'un livre. Et deuxième interprétation, Dieu lui dit, dis-moi, on ne me fait pas du chantage. Tu me dis, efface-moi, tu vas voir, je vais t'effacer d'un morceau du livre. Mais voyez qu'Israël a failli perdre à ce moment-là. Et Moïse a sauvé Israël. Mais après, Dieu a dit, quoi qu'il fasse, eh ben, c'est mon peuple. Je peux rien. Voilà. Même si n'importe quelle mère pourrait peut-être les abandonner, moi, je ne les abandonnerai pas. Donc, il y a cette idée, tu vois, de pérennité de la promesse, de l'engagement. Et puis, cette idée aussi que ce que Moïse a vécu, parce que Moïse est quelque chose de ce serviteur qui souffre. Évidemment. Il se fait broyer, et par le peuple, et par Dieu, et par certains côtés. Broyer, oui. Mais en même temps, pardon. Par le peuple, pas par Dieu. Alors que le serviteur, c'est par Dieu. Il se fait broyer par Dieu, Moïse. Moïse, il ne veut pas y aller. De tous les prophètes, et Moïse est le plus grand, c'est le seul qui dit pas « me voici ». Tous ont dit « me voici ». Isaïe, tous, Inéni, Avraham, « me voici ». Jonas, il dit « me voici » au début. Au début. Et quand il lui dit non, bravo. Et quand il dit « la mission », il était gentil, « l'émission casse-gueule, tu lui donneras aux autres. » Il ne veut pas. J'ai une autre interprétation derrière ce Jonas. Hein. Il ne veut pas y aller parce qu'il sait qu'ils vont se repentir. Oui, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas passer pour un bouffon. Il va annoncer, vous allez être détruit. Vous allez être détruit. Et puis, il connaît Dieu, qui est miséricordieux, comme son nom l'indique. Il dit à Dieu, tu es gentil, tu vas m'envoyer jouer le bouffon en disant, vous allez être détruit. Et eux, ils vont te faire un petit mamour, un petit machin sympa. Et tu vas leur dire, allez, je vous pardonne.
Et moi, je vais passer pour un imbécile qui a annoncé un truc qui ne va pas se réaliser. Donc, en fait, ce qu'il y a Dieu, c'est que tu es un peu trop miséricordieux. Et moi, je ne veux pas être d'un nom de la farce. Mais parce qu'ils pensaient... Enfin, on peut en discuter de Jonas. Mais en gros, ils disent tous inini, sauf Moïse. Parce que Moïse, il ne veut vraiment pas, au point que Dieu s'énerve avec lui. Ce qu'il ne fait pas avec Jonas. Dieu ne parle pas à Jonas. Il le met dans le vent de la baleine. C'est pas la même chose. Et lui, tout seul, il y va. Dieu ne commence à parler avec Jonas que quand Jonas se plaint à cause du ricin qui a été détruit. Et là, Dieu lui dit, dis-moi, toi, tu te plains pour un ricin que tu ne connaissais même pas d'hier et d'avant-hier, et tu veux que moi, je ne me plaigne pas de mon peuple qui ne connaît ni sa droite de sa gauche et que j'ai aimé, que j'ai fait... Enfin, tu rigoles. C'est là où il lui parle vraiment, je vais dire, de ma... Il dit, oh, tu vois. Mais Moïse, il dit, non, je ne veux pas y aller. Tu lui dis, tu vas libérer le peuple. C'est bon, c'est bon. Il y a Aaron, il parle très bien, il est fort, il est grand, il est beau. Et moi, je sais pas, je suis petit, je parle mal, et puis j'ai la flemme. Tu dis quoi? Tu as la flemme? Tu dis oui, je suis pas bien parlé, j'ai un truc, tu sais. Et puis, c'est mon grand frère. Je peux pas. Hein? C'est pas mon job. Mais oui, il dit, c'est pas mon job. En tout cas, il dit, après, il dit, c'est pas mon job, j'ai pas de chance. Mais n'empêche qu'il veut pas y aller. Et Dieu s'énerve. Vraiment, il s'énerve. Yo, je t'ai pas demandé ton avis. Tu vas y aller? Donc il est souffrant là aussi, parce que ça le sort de lui-même. C'est-à-dire, quand tu réfléchis bien, il a peu de choix, Moïse. Après, il est le tampon, effectivement, entre le peuple. Il se prend des coups du peuple au nom de Dieu, puisqu'il est l'avocat de Dieu auprès des hommes. Mais il est aussi l'avocat des hommes auprès de Dieu, donc il se prend des coups de Dieu qui lui dit « Qu'est-ce qu'a fait ton peuple ?» Vous savez, ça veut dire quand Dieu vous dit « Qu'est-ce qu'a fait ton peuple ?» C'est pas mon peuple, hein. C'est le tien. Mais les commentaires disent... Dieu dit à Moïse de manière induite, oui, c'est ton peuple. Tu as voulu prendre des gens en plus. Alors maintenant, tu assumes. En fait, il se prend aussi des coups. Il est un autre type de souffrance. Et puis, tu imagines la souffrance. Tu as le but, tu as l'horizon, et on te prive de ton but, ton horizon. Vous vous rendez compte, ça veut dire comme souffrance. Tu ne rentres pas en Terre Sainte. C'est une autre forme de souffrance. C'est quoi ce sacrifice là du verset 10? Il a quoi de particulier ce sacrifice? Le Hacham, c'est un sacrifice de rapprochement. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant, et je comprends bien pourquoi, évidemment, les chrétiens vont voir ça comme étant aussi une allusion à Jésus. C'est que c'est un sacrifice, notamment, par exemple, qu'on fait quand on utilise un ustensile du temple par inadvertance. On fait un sacrifice de compensation. Un agneau de Dieu, c'est compensation. C'est le Hacham. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, c'est aussi la question, c'est quand il dit qu'il sera lumière, tu vois, quel est le... Or, la goïm, non, pas une lumière. Lumière pour les nations, regarde bien. Oui, c'est mal traduit, là, de toute façon. Non, il dit quoi, là? Non, mais là, je sais qu'ils sont pas bons, là. 11. De quel chapitre? 53. 53, 11. Mais c'est avant Lumière des Nations, c'est plutôt... Lumière des Nations, c'est 49 ou 50, 49 ou 50, hein, tu parles de lumière, resplendissant. Là, il dit, je ne sais pas comment tu le traduis, c'est le verset 11. Après les tourments endurés par sa personne, mais il n'y a sûrement pas le mot personne, il verra la lumière... 53, 11. Mais Amal Nafsho, de l'effort de son âme, comment est traduit chez toi? Les tourments endurés par son âme. Pas du tout. Amal, c'est faire des efforts. Des efforts. Bah, d'ailleurs, on dit qu'il faut être Amel Batora. Il faut faire des efforts dans la Torah. Parce que l'étude, ce n'est pas simple. Il y a une vraie souffrance, mais d'efforts. Il y en a qui disent la persévérance de son âme. Ouais, c'est déjà mieux. Oui. C'est où? Non, mais c'est je ne l'ai pas là, mais je l'ai dans un autre. Ah, voilà. Ça, ce n'est pas bien traduit. Parce qu'à cause de la peine éprouvée par son âme dans la dorme, ce n'est pas... Non, mais il y en a qui disent la persévérance de son âme. J'aime pas du tout le verset. Et ensuite? Alors, oui, Yiré, il verra. Il n'y a pas plus. Il verra. Et là, il traduit, la dorme traduit. Il verra la lumière. Mais c'est la lumière. Alors, on va voir ce que dit Rashi. Alors, mais Amal Nafsho, Aya Ochel Vesava, Loaya Gozel Vechomes. Qu'est-ce que c'est l'effort de son âme? C'est qu'il mangeait et qu'il se rassasiait sans avoir besoin de voler et de prendre par la force. C'est-à-dire, tu feras tous les efforts sans aller. Au-delà, c'est exactement, c'est marrant, c'est la réponse à Jean Valjean. Quel aurait été l'effort de Jean Valjean? Alors bien sûr, vous voyez que Jean Valjean, par exemple, ne fait pas pour lui. Il fait pour nourrir Cosette. Mais imaginons que quelqu'un dans la position de Jean Valjean, il n'a rien à manger. On considère que quelqu'un qui n'a rien à manger doit faire tous les efforts possibles pour manger, y compris s'il doit voler, ben il vole, il faut manger. Eh ben non. Il est allé tous les efforts
permis. C'est pas le goût de son âme. Voilà. Mmh. C'est les efforts. Il a fait en plus un effort de ne pas faire l'effort ultime. Oui. Bedato, tu vois, c'est marrant, il n'y a pas du tout ça. Hein. Bedato, il a dit que tzadik. Et avec sa sagesse, sa connaissance, il va rendre juste le juste. Mmh. Il va juger mon serviteur, je vais en fait émettre avec un jugement juste pour tous ceux qui viennent se faire juger devant lui. Oui, ça veut dire que cet homme acquiert une qualité. Enfin, la souffrance fait entrer. Par contre, la traduction en araméen, parce que moi, ce que je vous lis, c'est le texte hébreu, mais le Targum, c'est le Donkelos, la traduction en araméen Donkelos, dit. C'est marrant, d'ailleurs, c'est probablement là que. Mais c'est là qu'ils ont choisi. Voilà, pour votre question. Comment on arrive à une traduction ? C'est pas compliqué. Il y a un texte hébreu. Okay ? Après, il y a des commentaires qui le traduisent. Par exemple, il faut savoir que quasiment toutes les Bibles chrétiennes sont inspirées de la traduction de Nicolas de Lyre, qui est au XIIIe siècle, s'est inspiré de la traduction de Rashi. Parce qu'il y avait tellement de traductions que c'était compliqué. Donc, Nicolas de Lyre s'est inspiré du commentaire de Rashi. Donc, Rashi, c'est 1040-1105 à 3 dans l'aube. Nicolas de Lyre s'est inspiré de ça et toutes les Bibles chrétiennes, grosso modo, sont inspirées de ça. Jusqu'à la Bible d'Aragel, qui elle a été traduite par un prêtre et un rabbin. Le prêtre s'appelait donc Guzman en Espagne et le rabbin s'appelait Aragel, Moïse Aragel. Ils se sont mis ensemble pour traduire cette Bible. On appelle la Bible d'Aragel. Et l'une des premières traductions, dont on dit qu'elle est par Esprit Saint, celle d'Onkelos, il dit, donc moi j'ai dit, mais Amal Nafsho, toi tu dis par persévérance, ici mettent à cause de la peine éprouvée par son âme, pourquoi dorme Messa ? Je ne vais pas regarder là, mais je suis persuadé, il n'en parle pas, pas compliqué. Mais Targum dit, mais Shervoud, Amamia, Shervoud, c'est le même mot que Eved, c'est l'esclavage, par l'esclavage de ton corps. Donc voilà pourquoi il perd de peine. C'est sûrement à cause de ça. Jev Nafsho, Yechezou, tu vois, Yechezou, ils verront, mais il n'y a pas de lumière. Et encore, mais pour Anout, c'est la pauvreté. C'est bizarre. Non, mais il verra sa suivie. Oui, il verra. Alors regardez bien. Ah voilà, pardon. Il faut toujours regarder Dorm. Regardez ce que dit Dorm. La lumière, donc ce verset, moi je ne l'ai pas trouvé en hébreu. Il n'y est pas. La lumière, ce mot manque dans le texte massorétique, le mien, mais doit être restitué d'après les textes A et B de Qumran. Oui, quand on a retrouvé les textes de Qumran, il y avait deux textes différents, un dans la 4Q 346 de tête. Non, mais c'est la quatrième grotte, manuscrit 346, peu importe, ça fait très prétentieux, mais oubliez ce que je viens de dire. En tout cas, il y a deux versions différentes qu'on a trouvées du texte. Dans ces textes, il y avait la lumière. J'ouvre une parenthèse. Il faut savoir que la question de la lumière et des fils de la lumière est très présente dans les écrits de Qumran. Donc, pourquoi la Massora, c'est-à-dire nous, on n'a pas considéré qu'il fallait mettre ce texte ? C'est parce que ce mot, parce que par tradition, on l'avait reçu sans ce mot, et qu'on considère que c'est ceux de Qumran qui avaient rajouté ce mot parce que c'est... Les problématiques. Oui. Ma sœur, vous avez une question ? Dans lequel ? Oui, ça oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas 42,6, pardon, mais peut-être, mais ça se. Mais attendez, moi je suis sûr de l'avoir vu en 49 ou 50, non ? Pas toi ? Non, mais ma soeur, vous avez probablement raison, il peut le dire deux fois d'ailleurs. 49,6, c'est important. Dans la Constitution française, c'est le 49,6. C'est vrai ? Voilà. Alors, 49,6, moi, je l'ai vu, évidemment, c'est ce qu'on appelle Orlagoïm. C'est un truc très compliqué à comprendre. Une lumière pour les nations. La lumière pour les nations, c'est pas une position d'orgueil. Ça pourrait malheureusement être compris comme une position d'orgueil. Oui, vous cherchez qu'à être la lumière des nations. Non. La lumière des nations, c'est ce qui rappelle la vocation de chacun. La lumière au sens de celui qui éclaire la route de chacun. Pas celui qui tire orgueil. Mais là, le mot existe, or la goïm, or c'est la lumière. Alors, je continue, Dorm, qui explique pourquoi il n'y a pas le mot lumière. Il dit, mais d'après lui, en tout cas, il faut le restituer parce que dans les textes A et B de Qumran, qui s'accordent tous deux avec les Septante. La Septante étant la traduction faite par les 72 sages, par tous les mecs, etc.
justification dans l'entremise d'un juste, doctrine dont héritera le christianisme, où elle jouera un rôle de premier plan, comme l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 22. Bon. Mais vous voyez, moi je n'ai pas le mot lumière. Tu vois, c'est intéressant. Ni dans la traduction d'Onkelos. Donc c'est difficile d'expliquer pourquoi, à moins de penser qu'il y a cette notion de fils de lumière qu'on retrouve évidemment chez les gens de Qumran. Alors pourquoi est-ce que ce texte, pourquoi hésiter à l'appliquer à Israël ? Tu vois l'ensemble de ces textes ? Non, mais l'ensemble de ces textes sur le serviteur, c'est comme une vocation, qui est une vocation personnelle, mais qui est aussi une vocation collective. Je vais te dire, parce qu'il y a une différence entre accepter son destin, je dirais même revendiquer son destin, et en même temps en faire une sorte de vocation absolue. Si je souffre pas, je suis pas dans mon destin. Non, non, je suis d'accord. Dans l'autre sens, oui, tout à fait. Non, pas la vocation comme programme. Non, voilà. Une invitation. De dire, voilà, si c'est là, et si malheureusement c'est là, à ce moment-là, il faut avoir la force de ne pas désespérer. C'est ça, mais le texte semble dire plus. Non, le semble par dire exemple, il y a un texte très beau qu'on voit là, que nous, on lit dans un temps qui est en général le Shabbat, le samedi, juste avant l'anniversaire, la commémoration des destructions du Temple. Ania Sohara Lo Nuchama. Ma veuve ne sera pas consolée. Et la semaine suivante, après le temps d'instruction, premier texte qu'on dit, réjouis-toi à Jérusalem, ça y est, c'est fini. C'est la suite d'ailleurs. Oui, exactement, chapitre 54. Ou... 54. Pousse l'acclamation, voilà. Toi qui n'as pas enfanté, éclate en clameur. Ils ont des histoires étonnantes. Lui, par exemple, est Osée, le prophète Osée. Ils ont deux destins étonnants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les deux des enfants, tu vois, le fils, programme. Des enfants, programme. Osée, avant de parler d'Isaïe, Osée, Dieu lui dit, va, prends une prostituée comme femme. Alors que sa femme vient de mourir. Oui, prends une prostituée. Et tu vas avoir deux enfants avec elle. Le premier, tu vas l'appeler Loruhama, le deuxième, Lohami. Le premier, tu vas l'appeler « Tu n'es pas pardonné » et le deuxième, « Tu n'es pas mon peuple ». Vous voyez que quand on appelle maintenant les enfants « Kevin », c'est moins grave que… Tu vois, ou « Kimberley ». J'espère que personne n'a un enfant qui s'appelle « Kevin » ou « Kimberley ». Mais enfin, sur le principe, quand moi, ça me fait… Non, honnêtement, je vous dis. Il a ensuite, au moment où il reconstruit, au chapitre 3, je crois, osé, Dieu lui dit « Reprends ta femme ». Et tu vas avoir un enfant avec elle, tu vas avoir un enfant, tu vas l'appeler Ami, tu es mon peuple. Et tu vas avoir un autre enfant, tu vas l'appeler Ruhama, tu es pardonné. Ça passe d'ailleurs par, tu vois, le déclin, la distance, la flétrissure absolue avec la femme prostituée, tu vois. Alors que ça prouve qu'ils n'avaient pas vu, comment il s'appelle, Pretty Woman. Pretty Woman, c'est une prostituée. Des films, tu ne connais pas ça. Il faudra un peu que j'augmente un peu ta culture cinématographique, là, parce que je vais t'envoyer quelques DVD, si tu veux. Bon, allez, j'arrête de l'embêter. Et lui, Isaïe, il a quelque chose d'assez étonnant. Il a deux fils. Le premier, il l'appelle Maher Shalal Hashbaz. Très rapidement, Shalal, la curée. Proche pillage. Oui, le pillage. Prombutin, proche pillage. Voilà, le pillage, Maher Shalal Hashbaz, ça va être la dévastation. Il appelle son fils. En fait, c'est pour ça que pour nous, c'est évident que c'est bien avant la destruction du temple. Il annonce la destruction du temple. Et le deuxième, comment il s'appelle son fils ? Il s'appelle... Attendez, je vais vous dire, c'est au tout début. J'avais retenu... Attends, je vais te dire... Chazon Nishaya Ben Amos Hashem. Il faut que je le récite. Comment il s'appelle ? C'est un mot composé de deux mots. Oui, je vois bien. Je ne vais pas trouver là-dedans, je trouve en hébreu. Je vais vous trouver ça. On est encore dans la filiation, tu remarqueras. Hein. On n'équipe pas la filiation. Hein. C'est toujours par les fils que ça se passe. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Dieu dit au prophète, vous pouvez prophétiser tant que vous voulez, mais tant que vous n'expérimentez pas dans votre chair le mépris de l'enfant, vous ne pourrez pas comprendre ça. Et c'est vrai qu'il y a... Nous sommes allés, Samuel et moi, à Auschwitz. Qu'il a dit était extraordinaire. Je peux vous dire, moi, que j'y suis allé avant d'avoir des enfants et j'y suis allé après. C'était complètement différent. Vraiment. La perception que j'avais de ce qui se passait
La distanciation que je me dis avec des enfants, je voyais des enfants, ça me faisait de la peine. Hein. Mais quand j'y suis allé avec mes enfants, c'est les visages de mes enfants que je surexposais par rapport, je sais pas, ceux qui sont allés ont vu le pavillon français. C'est une pièce très émouvante avec des photos d'enfants. Donc il faut expérimenter. Et Dieu dit au prophète ça. Qu'est-ce que tu vas engueuler ce peuple ? Avant de l'engueuler, expérimente ce que c'est la souffrance de voir son fils méprisé, etc. Comment il s'appelle ? Cher Yachouv. Cher Yachouv, il s'appelle. Un reste reviendra. Oui, un reste. Un reste reviendra, pardon. Cher Yachouv. Un reste, le chéri, tu vois, c'est le... Isaïe a cette théorie d'un rameau de Jessé. Un petit reste. La souche. Ouais. La souche sainte et le reste. Voilà. Ça aussi, c'est une idée, la sainteté. Elle est très fréquente chez Isaïe, sur la sainteté de Dieu, c'est-à-dire la distinction, la séparation. Bon, mais Cher Yachouv, le premier. C'est-à-dire, il a un fils, c'est terrible, hein. Imaginez que vous avez un fils. Mais d'ailleurs, maintenant, c'est inacceptable. Mais nos arrière-grands-parents, et nos arrière-arrière-grands-parents sûrement, avaient 15 enfants, dont un reste restera. On avait 15 enfants, dont 7 qui ont survécu. Mais ça inquiétait personne. Enfin, ça inquiétait personne. C'était la norme, on n'y pouvait rien. C'est comme ça. Il appelle un fils. Un reste, il y aura un reste. Je ne sais pas combien, je ne sais pas quoi. Il y aura un reste qui reviendra. Je trouve que c'est vraiment... En t'écoutant, je me disais, tous les passages qui sont à la joie sont des noces. Et il y a vraiment un rapport de noces entre Dieu et son peuple, dans la joie. Par contre, tous les rapports de souffrance et ces rapports ça, c'est la filiation et la paternité. Ketubot, dans le Talmud, il y a un texte qui dit, dans le Cantique des Cantiques, il parle de la joie et les noces. Cantique des Cantiques, c'est l'union... entre un homme et la femme, symboliquement, Dieu et Israël. Okay. 8 chapitres, formidable. Dedans, il y a marqué « Ishbarti etrem ben Yerushalayim ». Je vous demande de faire le serment fille de Jérusalem. Et le Talmud dit, il y a 3 serments, et un autre rabbin dit non, il y a 6 serments, peu importe. Le premier, on passe. Le deuxième, Dieu, regarde, c'est là. Dieu demande au peuple d'Israël de ne pas se rebeller contre les nations. C'est exactement ça. Ne vous rebellez pas contre les nations. Ça ne sert à rien parce que c'est pas ça va... Alors, ce n'est pas encore une fois une position dolorise en disant qu'il y a de souffrance. Ce n'est pas votre vocation. Je vous demande de faire le serment. C'est dur. Parce que quand on vous dit jure, c'est que ce n'est pas facile. Engage-toi. Ne te rebelle pas. Et la troisième... Il demande aux nations de ne pas trop asservir le peuple d'Israël. Ces serviteurs souffrants, mais ne le faites pas souffrir trop. On se demande qu'est-ce que c'est trop, parce que si ça, c'est pas trop, je vous traduis. Le rabbin qui dit non pas 3, mais 6, il en rajoute 3, et je vous en dis 2 d'entre elles. Il demande, ce serment, c'est au prophète de ne pas révéler la fin des temps. Pourquoi ? Ma théorie, c'est que si on révèle la fin des temps, on devient passif. C'est pour ça dire que le Fils, Jésus dit lui-même qu'il dit seul le Père. Même le Fils ne sait pas. Comme si, parce que si tu révèles... Le Moyen-Âge dit il ne faut pas qu'il dise la fin, parce que la fin, savoir la fin déclencherait bien pire que de ne pas la savoir. Ben voilà, exactement. Parce que ça engagerait la peur, ça engagerait l'inaction. J'ai plus rien à faire, je sais. Voilà pourquoi, quand certains, dans certaines religions, expliquent que tout est déjà déterminé, ça rend l'homme très passif par rapport à Dieu. Alors que nous, on a la conviction, dans le judaïsme, je pense aussi dans le christianisme, mais en tout cas certains dans le judaïsme, que l'homme peut changer le destin. Son destin est changer le destin du monde. Et je vais vous raconter, si vous voulez, dans une histoire de Rabbi Akiva très belle. Et le quatrième, enfin celui dont je vous parlais, c'est que la suite logique, c'est que le serment, puisque je vous dis ne révélez pas, Dieu demande au prophète de faire le serment, de ne pas révéler la fin des temps, le suivant, c'est et vous, ne ralentissez pas la venue de la fin des temps. Parce que si vous vous dites de toute manière, les prophètes, ils savent, et puis c'est annoncé, puis ça arrivera, donc j'ai rien à faire, ça arrivera. Non. Tu dois faire l'effort pour faire venir la fin des temps. Donc, vous voyez, il y a cette idée de souffrance. De faire cette expérience. Oui. Moi, je trouve que c'est assez... Et qu'il y a sans doute un lien, d'ailleurs, entre les noces. Enfin, voilà. Oui. C'est le cantique des cantiques, c'est les noces. Maintenant, le risque de lire ce texte en disant c'est un tel, c'est voilà, le héros, etc., c'est de se déconnecter de ce texte. Et bien sûr, quand on lit ce texte, on dit c'est bon, moi je souffre pas comme ça. Donc, vous avez une façon de dire
je ne suis pas encore dans la souffrance, donc ça ne me concerne pas. Ou alors, vous vous dites, rien par rapport à ce que moi, je subis. Et honnêtement, chaque fois qu'on subit quelque chose, on a tendance à considérer que ce qu'on subit, c'est terrifiant. Et c'est légitime. C'est absolument légitime. Mais l'idée de base, c'est de se dire, personne ne peut enlever ce lien de confiance que j'ai. Personne. C'est, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas. Et c'est pas pour t'en vouloir. J'ai trouvé ça dans un film qui est peut-être l'un des plus beaux films. Mais un western. Quel est le plus beau western pour vous? Moderne, hein, pas, ne me parlez pas du train s'y fera trois fois. C'est pas mal, mais c'est pas vraiment un western. C'est surtout, c'est pas un western au sens de western. C'est pas mal, Maverick, mais c'est... Hein? Non. Déjà, on va éliminer les acteurs. Quel est le héros western absolu? J'ai dit, il est récent. Bravo. On voit des spécialistes. Clint Eastwood. Dans la filmographie de Clint Eastwood. Bravo. Unforgiven. Dans ce film, c'est un loser absolu. Il est bourré, il est défait, il n'est pas souffrant, il est hors du monde. Il est déjà hors du monde, on comprend après pourquoi. Peu importe, il est hors du monde. Il a juste un pote. Deux potes, le petit et un noir. Et ils sont engagés, c'est des losers absolus, ils sont engagés par les prostituées d'un bled parce qu'il y a un vaqueros un peu plus bourré que les autres qui a tailladé une prostituée et il l'a fait souffrir. Et alors, il vient dire, même des prostituées, on ne peut pas les avilir à ce point. Bon. Alors, ils vont. Et puis, finalement, ils tuent les deux méchants qui avaient tailladé la petite, notamment dans une scène extraordinaire dans les toilettes. Bon, peu importe. C'est pas très glorieux. Et le petit gamin qui rêve d'être un grand tueur d'élite, comme lui l'avait été par le passé, avant d'être dans la déchéance absolue, il comprend que ce n'est pas une vie de tuer des hommes. Et il dit, c'est la dernière fois, il vomit. Enfin, c'est une horreur. Et il part. Là-dessus, le noir, leur copain noir, qui avant avait dit « Moi, je veux plus tuer. On n'est pas fait pour ça. » Il s'en va. Il s'en va. Mais va savoir pourquoi il se fait rattraper par les méchants qui croient que c'est lui qui a tué. Et ils le prennent. Et le shérif de la ville, qui est Gene Hackman, dans le film, il le massacre. Tu entends? Au fouet. Et il veut le faire avouer. Et il le massacre. Terrible. L'image, il est sur les barreaux de la prison et il massacre. Et à un moment, dans sa souffrance, il dit, il viendra me venger. Tu vois, cette certitude absolue. Du jugement. Oui. Sans vouloir comparer avec un autre film, pas mal aussi, mais différent. C'est comme dans Rambo 3, quand... Non, mais c'est vrai. Quand le colonel est attaché comme ça sur un matelas de sommier, il est torturé à la Gégène par le méchant russe qui est là, et qui lui dit... Il viendra me sauver, Rambo. Il lui dit, pour qui tu te prends? Tu le prends pour qui? Pour le bon Dieu? Et là, le colonel répond cette phrase historique. Non, pas le bon Dieu. Lui, il aurait pitié. Tu vois, un truc comme ça. Et là, le russe, il est défait. En gros... Ceci, tu l'as dans le livre des Maccabées, ce que tu me dis. C'est la mère admirable avec les sept, avec les sept fils. Anna avec les sept fils. Ouais, les sept mais fils. Moi, ce qui m'intéresse dans Unforgiven... Toi, je ne lis pas les films, mais j'ai les sources filmographiques. Tu as raison, c'est la même chose. Fiable. Mais dans Unforgiven, dans Impitoyable... Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend ce qui est représenté pour celui qui est torturé. C'est qu'au fond de sa torture, c'est-à-dire la négation de l'humain, c'est un noir. Et puis, attention, après, une fois qu'il meurt, ils mettent son cercueil posé comme ça, debout, avec un panneau, il est mort, il est ouvert le cercueil. Voilà ce qu'on fait aux gens, machin, je ne sais pas trop quoi. Et après, dans sa colère, il leur dit, je vous demande de l'enterrer, sinon je reviendrai. Et bon, mais lui, dans sa souffrance, ouais, il est le serviteur souffrant, c'était le bon du film. Il a refusé de tuer. Eh bien, il leur dit, il viendra me venger. Et on a ce verset, Nekom Nikmat, je viendrai, même ceux qui pensent que c'est fini, je viendrai leur faire rendre justice. Tu vois, dans le 50, le chapitre 50. C'est ça la confiance, c'est-à-dire que finalement, plus que serviteur souffrant, c'est serviteur confiant qu'on devrait dire. Parce que la souffrance, c'est l'état absolu où on oublie tout, y compris la confiance. Parce que c'est là où on se dit, ben, je suis abandonné. Eh ben non. C'est ça qui est difficile. Hein. Et par rapport à ce texte, alors pour le coup, l'interprétation qu'en fait le Christ, qu'en fait Jésus dans sa propre existence, c'est d'y ajouter le pardon. Tu peux me dire le Christ, hein, ça ne me gêne pas.
Oui, mais, ce, ouais, c'est, d'accord, mais ça, c'est sa dénomination. Ouais. Jésus, ouais, c'est son nom. Non, ça ne me gêne pas, oui, voilà. Voilà, c'est pas la même chose. Tu as changé, ça ne me gêne pas. Oui, je veux dire. Oui, mais parce que pour moi, Jésus, c'est dans ce qu'il vit comme homme. Je comprends. Le Christ, c'est ça. C'est sa la... vocation. Oui, c'est sa vocation. Et donc, on voit bien que, c'est, comment dire ça, lui interprète la guérison dont il est parlé là, cette fameuse guérison qui vient des meurtrissures, en termes de miséricorde et de pardon. Donc, il n'y a pas cet appel à la justice. On a ça chez Moïse. Ouais. Tu as raison, c'est très joli ça. On a ça chez Moïse. Quand, justement, il refuse sa mission, alors il dit à Dieu, écoute, je vais y aller, ils ne vont pas me croire. Tu leur dis, il lui dit, bah, c'est pas compliqué, tu leur dis que moi, je t'ai envoyé. Il dit, ouais, mais ils ne vont pas me croire. Il faudrait que je fasse un truc, un machin. Il lui dit, mets ta main dans ton sein. Alors, Moïse met sa main, comme ça. Yatsa veine metsorat kachaleg. Et voici qu'elle était lépreuse comme la neige, malade, souffrante. Et il lui dit, remets ta main. Ressors là. Et elle est vine shava kibsara. Elle était revenue comme avant, comme la chair. C'est ça, c'est l'idée. Même la chose la plus éloignée, la lèpre, on se méfie, c'est une horreur absolue. Moi, je peux la transformer complètement. C'est pas. C'est ça, tu vois. Tout à fait. Et moi, c'est alors ce dont je suis persuadé, c'est que précisément, non, pas simplement ce texte, mais l'interprétation existentielle qu'en donne Jésus dans sa manière de mourir, elle est, je dois descendre dedans. Sinon, la foi du chrétien reste abstraite. En tout cas, alors, moi, je vois. Elle reste abstraite, au sens où elle reste quelque chose. Théorique. Oui, elle reste quelque chose que, comme un juif qui n'est pas rentré dans la parole, si tu veux, qui oui, en reste à. Sauf que la différence, c'est que. Faire ça, ça voudrait dire mourir pour les autres, alors que l'enjeu du judaïsme, c'est vivre pour les autres. Alors, c'est pas mourir, oui, sauf que... Le risque, c'est que certains aillent dire, je vais mourir puisque mon Dieu meurt. Alors oui, que... sauf que tu remarqueras que lui est très clair. Jésus dit, je pose ma vie, je pose mon âme, je la reprends. Oui. Donc, je suis d'accord, l'interprétation après, c'est d'exemplarifier, si tu veux, le sacrifice mortel. Mais... Quand tu lis les évangiles, c'est pas ça qu'il fait lui. Enfin, comment te dire ça? Je comprends. Voilà. Mais moi, je dis mais ça serait le risque. Il y a un risque, y compris chez nous, par exemple. Et d'ailleurs, on voit ça dans la Bible avec les deux fils d'Aaron. Aaron a quatre fils, Nadav, Avihu, Eleazar et Itamar. Deux d'entre eux apportent un feu étranger. C'est-à-dire qu'ils veulent être tellement proches, ils en font trop. En fait, ils veulent rentrer. Tu vois, la place du père, c'est tout pas leur vocation, oui, c'est le fait, père. Tout ne confond pas tout le fils et le père. Enfin, c'est ça. Alors, c'est terrible. D'ailleurs, c'est un passage très émouvant. Moïse lui laisse même pas le temps de souffler, de faire un deuil. Yo, réveille-toi, bouge-toi un peu. Il y a le sacrifice à faire, alors fais-le. Et mieux que ça, c'est très joli d'ailleurs. Moïse fait une. Il engueule Aaron. Et Aaron explique gentiment à Moïse, tu sais, si j'avais fait comme tu veux, je crois pas que ça aurait plu à Dieu. Et Moïse lui dit, tu as raison. Et Aaron est consolé parce qu'il se rend compte qu'il peut apporter de la consolation. Tout à fait. Tu vois ? C'est-à-dire que la souffrance d'Aaron, c'était de se dire, je ne suis plus aimé parce que je ne peux plus aimer. C'est la vraie souffrance, c'est ça. La vraie souffrance, c'est ne pas être aimé. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce serviteur, à la fin, c'est ça qu'il est guérissant, oui. Il est consolant. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que si tu regardes le Christ simplement comme, encore une fois, comme souffrance héroïque, et que tu penses que c'est ça qui te révèle que Dieu est là-dedans, c'est complètement à côté. C'est dans l'expérience que, paradoxalement, celui qui souffre est encore consolant. Et tu sais que Stéphanie, mon épouse, est sage-femme. Je me rappellerai toujours pour la naissance de mon enfant. Comment ça s'appelle, l'anesthésiste. Il ne faut jamais dire que vous êtes sage-femme quand vous accouchez. Je vous donne un conseil. Ne dites jamais ça. Parce qu'ils se disent, bon, on le connaît, ça va, bon, ça roule tout seul. C'est faux. Quand vous accouchez, vous accouchez. Quand vous êtes sage-femme, vous êtes sage-femme. Et donc l'anesthésiste lui avait dit, je vais faire très léger la péridurale, parce que comme ça, vous sentirez mieux, le machin. Vous sentirez mieux. Au bout de 12 heures, je me suis énervé. 12 heures. Je me suis énervé vraiment. Il a dégagé. Et arrive un petit stagiaire, un petit jeune. Je lui ai dit, viens ici, toi. Je lui ai parlé. C'était un petit musulman. Un jeune musulman. J'écoute, augmente la dose. Toi, fais une prière. Moi, je vais faire un psaume et tu vas voir. Je vous assure, le médecin, le gynéco, ça fait 12 heures qu'elle était sur la table de travail. 12 heures, ça venait pas. Alors, je dis
Et le gynéco m'a dit, écoute, elle ne peut plus pousser comme ça, c'est très dangereux. Si dans 5 minutes, c'est pas, ta fille n'est pas née, on fera une césarienne. Bon, il s'en va, ce connard. Et donc, le jeune arrive, c'est lui qui assure, parce que l'autre, il a fini son temps, donc il arrive. Et puis, c'est plus friendly, je lui dis, écoute, on augmente la dose, je ne comprends pas pourquoi elle souffre, il n'y a pas de raison. C'est pas... Et il fait, et puis je lui dis, écoute, toi, tu fais une prière en arabe, et moi, je vais faire un psaume. Je fais le psaume 121, parce qu'il y a marqué, béni sois-tu quand tu entres et quand tu sors. Ma femme me dit, ça a bougé. Il arrive, tac, elle est née, ma fille, sans rien. C'est un truc, alors moi je peux dire c'est le psaume, sa prière à lui, je ne sais pas. En tout cas, c'est la conjonction des deux. Mais vous voyez, j'étais sidéré de voir ce mec expliquer qu'il fallait finalement qu'elle souffre. Comme s'il y avait cette nécessité. C'est la question, par exemple, sur les femmes. À la sueur de ton front, tu gagneras ton pain, et les femmes, elles souffriront pour la naissance. Alors que si on met la naissance, la souffrance dans la naissance, qui est une part d'abandon vie, de soi. Voilà. Oui. Je suis assez dubitatif sur, tu vois, sur ce risque. Je suis même un peu effrayé par ce risque de souffrance, parce qu'en général, quand c'est la souffrance sur soi-même, bon, quelqu'un fait comme il veut. Hein. Mais la sur souffrance, qu'on en aime. Général, on va vouloir la mettre sur les autres. Mmh. En disant, c'est leur rédemption. L'Inquisition faisait ça. Je les fais souffrir, je purifie leur âme, au moins je les sauve. C'est la mauvaise posture éducative. Oui, voilà. Bien sûr, complètement différente. Prof, si vous saviez. Sur ça ? Bien sûr. Non, mais évidemment, pour nous, c'est complètement différent. Ce n'est pas la traduction, c'est la compréhension. Oui. Comment on fait pour ne pas voir le Christ dans sa vie souffrante ? Mais il ne s'agit pas de... Il ne faut pas le voir. Il s'agit vous, pas de... vous devez le voir, vous. C'est votre religion. On voit, mais comment vous faites... Mais nous, ça concerne tout Israël. Hein ? Pour nous, ça concerne tout Israël. C'est dommage. Mais... c'est marrant, moi, c'est pour vous. Non, mais non, parce que, non, parce que l'important, il faut c'est qu'il y ait les deux. Surtout que la vraie question, il la faut vraie question. Les deux. Voilà. Non, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait certains qui croient, mais ça, d'autres qui n'y croient pas. Sauf que moi, je pourrais voir. Moi, je pourrais très bien voir aussi ceux qui sont emmenés dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Et c'est pas les Christ pour autant. Je peux voir aussi ceux qui ont été emmenés par l'Inquisition. Je peux voir aussi. Non, mais je peux voir surtout aussi tous ceux qui souffrent. Je peux voir la case de l'oncle Tom pour d'autres. Je peux voir tout ça. Non, 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 non. Mais parce que, non, parce que parce que vous cherchez ça, c'est logique. Non, bah, non, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est surtout que le texte, il n'est pas là pour me faire voir quelqu'un. C'est pas il un texte mettre... qui me parle. Qui non. doit vous mettre vous en voilà. Non, j'ai bien aimé la présentation, un peu comme une Genèse. Oui. Mais je vois la suite. Mais même, j'allais dire. J'ai appris beaucoup de choses en voyant. Bon, mais même dans l'autre sens. Genèse du texte de transposition, mais il y a la suite. On mais je pense que même le fait de voir que Jésus vit de ce que le serviteur souffrant vit, c'est pas ça le problème. La question ne porte pas là-dessus. La question c'est. Qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que ça me dit ? Regarde le serviteur souffrant. Voilà. 136 euros que j'ai payé à la fourrière quand j'étais enlevé ma voiture. J'étais payé, voilà, tu vois. J'ai les notes que j'ai écrites pour préparer, c'était sur ça. En fait, chacun voit la souffrance. Quand quelque chose comme ça arrive, anecdotique, on a parlé de tellement grandes souffrances. Moi, je reviens aux petites souffrances de la vie. Ce qui me fait dire pourquoi j'ai ça. Et je vais vous dire ma grande logique sur la souffrance. Rien n'est plus insupportable que quelqu'un qui vous dit « Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça ?» Si quelqu'un va me dire « Qu'est-ce que tu as fait pour mériter qu'on t'enlève ta voiture ?» Je vais te faire foutre, connard, je me suis garé là. C'est inadmissible qu'on reproche aux autres leur souffrance. La seule chose que vous pouvez faire, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Vous pouvez vous dire « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais personne ne peut vous dire « Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça ?» Or, moi, je suis plutôt dans cette logique où je me dis « C'est moi qui vais. Je veux pas souffrir. » Personne ici, j'espère, ne veut souffrir. Mais je me dis, quand ça arrive, des petites souffrances comme celle-ci, des petits agacements, disons, pas souffrances, petits agacements, ou des grandes souffrances, peu importe. Thérèse parlait des coups d'épingle. Oui. Elle disait que la sainteté dans la vie religieuse, c'est de supporter les coups d'épingle quotidien. Voilà. C'est pas de se faire trancher la tête, ça ne dure qu'une fois. Parce que ça, c'est, voilà. C'est une fois. C'est cette sorte de permanence des trucs et des souffrances, et c'est régulier, et c'est. Lancinant. Voilà. Et c'est pas moins grave, mais c'est, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? À ce moment-là, vous êtes capable de vous dire, peu importe, ça m'atteint pas. Je veux dire, c'est la notion du pardon. Qu'est-ce que c'est la plus grande souffrance ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas aimer ou peut-être de ne pas être aimé. Mais de ne pas aimer, c'est terrible. Mieux ne pas pardonner. Pire, peut-être, ne pas pardonner. Quand vous êtes dans la haine de quelqu'un, hein, et vous vous dites, ce qui m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Vous vous rappelez pas ?
12 juillet 1998. Vous avez gagné, vous leur pardonnerez ? Jamais ! Aimé Jacquet, il vient de gagner la Coupe du Monde. Et on lui parle des journalistes dont personne ne se rappelle maintenant le nom de l'équipe et tout, qui l'ont insulté, incapable, nulos. Et il leur dit jamais. C'était le moment. Si vous voulez, pardonner à Dieu en quelque sorte, comme Job, de dire il me fait souffrir, mais moi, j'abandonne pas. J'ai toujours la foi en lui. Parce qu'avoir la foi quand tout va bien, je vous dis, c'est à la portée n'importe quel imbécile. Mais avoir la foi quand c'est dur, quand il y a ces petits machins, ces grands machins, tout ce qui nous harcèle, il y a cette notion de pardon aussi. Je crois que c'est ça l'idée. C'est confiance en Dieu absolu, l'amour, être, continuer à aimer autour de soi, ne pas être aigri. Et pour ça, il faut pardonner. Et peut-être que la plus dure des choses, c'est se pardonner soi-même. Mmh. Tu crois pas ? Se pardonner soi-même de ce qu'on subit et ce qu'on souffre. Oui, mais ça, tu ne peux le faire. C'est, de nouveau, c'est toujours la relation filiale. Oui, bien sûr. Tu ne peux le faire que quand tu découvres que quand tu as appris l'amour chez voilà. toi. Et que tu as appris le pardon. Tu n'as même pas le pouvoir de te juger toi-même. C'est, ça, c'est remis à Dieu. Et que, bien sûr. Et que donc, et, tu n'as pas. Et d'ailleurs, c'est dit dans le verset. Tout à fait. Juger en vérité. Tout à fait. Et de ne pas se juger soi-même dans les moments où tout pourrait me pousser à considérer que la souffrance que je souffre, elle est pour payer quelque chose quelque part. Renoncer à cette idée-là. Ouais, renoncer à cette idée-là. Méchant. Et donc, il faut refuser même cette question. Qu'est-ce que j'ai fait pour me non. faire non. Pas, elle est là, donc parce on ne peut pas l'éviter. Oui, parce que mais il ne faut pas chercher à y répondre. Non, parce que dire... Bah, je vais vous donner le risque majeur. Et ça existe aussi chez vous, mais paradoxalement moins que chez nous. Oui. Chez nous. Parce que chez vous, en fait, il y a le culte des saints. Donc, on intercède auprès de Marie, auprès de bon, qui vous voulez, en disant « protège-moi », machin. Nous, il n'y a pas ça. Donc, il y a un nouveau truc qui est sorti, depuis, il y a peut-être 20 ans. Genre, des saints hommes à qui on demande une bénédiction. Alors, vous allez voir, je suis pas bien, je ne suis pas marié, je voudrais me marier, ma femme m'emmerde, mon mari, mes enfants, ça ne va pas. Ok, je suis malade, mon grand-père est malade, bref, n'importe quoi. Vous allez le voir, et il vous dit, toi, tu n'as pas bien mis les téphilines, les phylactères. Il faut absolument que tu remettes les trucs. Vous ressortez, c'est bon, c'est simple. Vous mettez les trucs, vous faites ce qu'il vous dit, mange cachère. Bon, vous mangez cachère. La personne, elle meurt, ça ne marche pas. Mais ça vous dégoûtait de la religion. Parce que quand vous avez surinvesti le truc en se disant, c'est magique, c'est plus de la religion, c'est de la magie. Je vais faire ça, et je vais avoir ça. Mais ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ? Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, Racha Vetovlo, le méchant qui est dans le bonheur et le juste qui est dans le malheur. C'est le secret profond du monde. C'est-à-dire, c'est, vous diriez dans votre langage, le mystère absolu. Nous, on n'a pas la notion de mystère, mais c'est quelque chose qui n'est pas du ressort humain. Moïse pose cette question à Dieu, d'ailleurs. C'est pour ça que la réponse, elle est vraiment dans cette expérience-là. Alors, regarde bien. Une seconde. Pardon, je viens de penser à Moïse. C'est la vraie, unique question que Moïse pose à Dieu. Je vais vous dire quand. Buisson ardent. Dans le buisson ardent, Moïse voit un buisson et il voit le buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et Moïse dit, pourquoi il ne brûle pas ? C'est parce qu'il y a. Il aurait dû dire, pourquoi il ne se consume pas ? Il ne dit pas ça. Il dit, lama lo yivar haseneh, pourquoi il ne brûle pas ? Et voilà comment on pourrait interpréter ça. Le buisson, c'est Israël. Les hommes, disons, grosso modo. Hein. Le feu, c'est la souffrance, évidemment. Moïse dit à Dieu, mon Dieu, tu veux faire souffrir les hommes pour les détruire. Ben, c'est ton droit. Tu nous crées, tu nous détruis. Où est le problème ? C'est ton droit. Fais-le. Mais si tu nous fais souffrir sans nous détruire, sans nous consumer, alors pourquoi nous faire souffrir ? Lama, au lieu de dire, pourquoi ne brûle-t-il pas ? On pourrait dire comme ça, pourquoi qu'il ne brûle pas ? C'est la question que pose Moïse. Quelle est la réponse que Dieu lui donne ? Il ne lui répond pas. Non. Qu'est-ce que fait Moïse ? Il baisse la tête. Car il a peur d'en venir à juger Dieu. Car il a peur d'en venir à regarder Dieu, en fait. Regarder de haut. Sous-entendu, il a peur d'en venir à juger Dieu. C'est ce qu'on fait. C'est injuste qui lui arrive, avec tout le bien qu'il fait, ou c'est injuste avec tout ce que je fais. Alors, la seule solution, c'est de faire comme Moïse, de baisser la tête, parce que vous pouvez... Est-ce que, quand je vous parlais de Rabbi Yossé tout à l'heure, c'est dans les trois rabbins, celui qui c'était, parce que qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous pouvez parler, vous énerver tant que vous voulez, vous indigner, c'est la mode. Vous pouvez vous indigner quand ça sert à quelque chose, pas pour prendre une posture. Je peux dire, mon Dieu, je ne suis pas d'accord avec la souffrance. Oui, c'est quoi ? Il y,
Il y avait sur une université, c'était un grand truc marqué comme ça. Dieu est mort, signé Nietzsche. Et quelqu'un de plus malin marqué en dessous, Nietzsche est mort, signé Dieu. C'était plus... Et Woody Allen ajoutait, oui. Moi-même, je ne m'en sens pas très voilà, bien. Voilà, exactement. Vous ne pouvez pas vous élever contre quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Par contre, faire du bien aux autres, accepter ça, montrer cette force de celui qui accepte, qui s'humilie soi-même, oui, on peut. C'est pour ça que c'est dans Isaïe ou dans le psaume qui dit « Qui de nous, vous avez une question. Qui de nous résistera dans un feu dévorant ?» Que Dieu est un feu dévorant. Esh orlaou, c'est un feu, qui mange. Et pour le coup, ça, pour moi, c'est la seule interprétation chrétienne de la passion du Christ. C'est, ou c'est un feu dévorant et c'est à la lumière du buisson ardent et de ce texte-là, ou bien encore une fois, je risque de comprenons bien, je risque de m'échapper du texte, de la réalité de ce qu'a vécu Jésus à la lumière de ce texte, en projetant sur lui la divinité au lieu d'aller la découvrir dedans. Non, je comprends. C'est ça la question. Vous avez une question. Monsieur avait une question. Et après, on va s'arrêter. Après, on arrête ça. En fait, et si c'était de Dieu dont il était question, est-ce que Dieu ne s'est pas fait le serviteur de nous en nous créant et en nous laissant vivre? Je peux vous répondre très facilement. Je peux vous répondre très facilement, c'est un psaume. Nous ne le faisons pas souffrir, comme c'est écrit dans Isaïe 53. On pourrait dire ça, je vous dis pourquoi, c'est un psaume qui dit Immo anochi betsara. Avec lui, je suis dans la souffrance. Dieu dit avec lui, je suis dans la souffrance. Les commentaires disent quand Dieu exile le peuple en Babylonie, il part en exil avec eux. Donc en fait, avec lui, je suis dans la souffrance. C'est le père, parce que c'est son fils. Immo anochi betsara, chelzoar abdo remezoar, je fais remezoar, je fais. C'est le psaume. je sais pas, c'est le psaume là-dedans ou pas? Ça doit être. La durée des jours. Oui. La durée des jours. Je vais le rassasier. Mais je le rassasierai. Voilà. Voilà. Vers Arubishwati et je le verrai dans sa délivrance. C'est où ce psaume? Je sais plus. Ça doit être 130. Voilà. Quelque chose, 130. Non, c'est à la fin. C'est la fin. Voilà, une seconde. Non, ça, c'est la maîtresse. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai un peu de choix. Juste après, il y a cantique, chanter un chant nouveau. C'est où chanter un chant nouveau? C'est les 145, c'est la fin. Oui, je t'ai dit, 140. Nouveau, c'est celui-là. Et c'est avant. Non, c'est pas celui-là. Il est ailleurs, non, il est ailleurs. C'est sûrement pas ça. Bon, enfin, faites-moi confiance. Il y a marqué Immo anochi betsara. Avec lui, je suis dans la souffrance. C'est même un thème récurrent dans les psaumes. Il n'y a pas que dans celui-là. Je peux le chercher avec mon truc, peut-être. Non, mais je peux le trouver. Mais c'est marrant parce que je l'ai en hébreu. Je peux vous faire par cœur, mais j'arrive. Il faut juste que je trouve le début du psaume, c'est tout. Immo anochi betsara. Immo anochi betsara. Car il chantait moi un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Il me libère, mais ça, c'est le suivant. C'est le suivant, oui, c'est le suivant, bien sûr, c'est pas le même. Non, là, c'est trop loin. C'est celui-là, mais je cherche le même début que 150. Non, non. 91, regarde 91. Yoshev, celui qui réside dans la hauteur céleste. Yoshev, c'est là. Oui, c'est ça. Elle a raison, bravo. Je te dis que c'est ça. Mais si. Hébreu, c'est le mien. Toi qui habites dans les hauteurs célestes, c'est marqué 90 ici, mais c'est le mien. Voilà. Voilà, je lui répondrai dans la détresse, je serai près de lui. Vous voyez, Immo anochi betsara. C'est celui-là, bravo. Il fallait que je le retrouve. Voilà, c'est ça. Je le découvre. Bah oui, c'est le même. Je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Donc on est toujours dans le serviteur. Voilà. Tu vois? Mais Immo anochi betsara. Avec lui, je suis dans la souffrance. Donc, on peut aussi dire. Oui, puis c'est ce que tu disais sur la. Si une mère abandonnait son enfant, moi, voilà. Je ne l'abandonnerais pas. Jamais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. D'abord, c'est impossible.
qu'une mère a bonne intention. Et puis même si c'était et même, imaginons que tu trouves un truc complètement impossible. Voilà. Moi, ce qui montre que c'est plus qu'une paternité. Enfin, qu'il y a aussi cet attachement de la... C'est ma fille. Ouais. Disons ça. Ouais. Bon, en merci, tout cas, voilà. Aïm. Un plaisir. Voilà. Oui. C'est grave. C'est dans le Talmud. Rabbi Yehuda, Yehuda, Juda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez raison. Le premier dit que c'est formidable, les ponts, les machins, les trucs. Fils de Yochai. Le deuxième, il n'a rien à dire. Il dit, j'ai rien à dire. C'est, point. Et le troisième, il dit, c'est inédit. Le deuxième. Aucune. Je ne peux pas vous donner une version de Bible. Même la Bible du rabbinat, elle est magnifique. Mais est-ce que vous êtes capable, vous, en français normal, de comprendre l'infatuation de ton cœur t'a perverti? C'est comme ça qu'il traduit le verset de Abdias, verset 3. En fait, l'orgueil de ton cœur t'a perverti. Bon, ben, c'est joli l'infatuation, mais enfin, vous n'utilisez plus le mot. Il y en a, mais il faut travailler avec. Il faut toujours en avoir deux ou trois. Donc, il faut avoir, vous pouvez avoir. On peut s'amuser à avoir Chouraki si c'est, c'est amusant, mais c'est pas intéressant. Il faut avoir. Faut avoir Hostie. Alou Adjin, quoi. Il faut avoir Hostie, il faut avoir Dorme pour le français. Hostie. Et vous pouvez rajouter Jérusalem ou la Tobe. La Tobe. Dorme, c'est la Pléiade, en fait. La Pléiade. DH, c'est la Pléiade. C'est le must. Mais c'est la critique biblique pure poil, pile poil. Chouraki, c'est vraiment plus proche de l'hébreu. Non. Ouais, mais Chouraki, c'est illisible. Il y a un autre truc, moi, j'avais été. Quand Bayard a sorti sa traduction absolument comme la Bible, sans ponctuation, sans rien, c'est mignon. C'est plus rhétorique, oui. Mais Chouraki, on peut le dire avec mon ami. Oui, non, il faut un dictionnaire à côté. Il faut un dictionnaire à côté, parce que moi, quand vous dites Adam, j'arrive à comprendre. L'homme, j'arrive à comprendre. Le glébeux, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi il est appelé Adam le glébeux? Parce que ça vient de la glèbe. Comme Adama, qui veut dire la terre, ça pour donner Adam. Donc on comprend sa logique. Mais vous vous rendez compte l'effort qu'il faut faire sur chaque mot? Moi, j'ai besoin de fluidité dans le texte. Hein? Moi, j'ai besoin de fluidité dans un texte. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle... C'est dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a pris le temps de s'arrêter au mot, voilà. Tout à fait. Voilà. Voilà. Sur un texte que vous maîtrisez bien... Ça renouvelle la rélecture. Maintenant, moi, je me rappelle les versions latines quand je faisais ça. L'idéal, c'était d'avoir une belle traduction. Même si le mot, on l'adaptait un peu. Ce que fait Dorme un peu des fois, vous voyez, préfère... Et puis, ce qui est très impressionnant, c'est que, alors pour le coup, parce que comme nous, on n'a pas l'hébreu, pour moi, la vraie manière de compenser, c'est d'avoir une connaissance plus large. Parce que du coup, la résonance des textes finit par donner, la résultante finit par être très, très proche de la vôtre si on les connaît bien. Sauf que, attention aux origines. Si vous avez, c'est comme aujourd'hui, de nos jours, vous voyez 10 sites internet qui annoncent un truc, vous dites c'est vrai. Sauf que les 10, ils ont pris la même source. Donc en fait, il y a une seule origine. Il faut faire attention à ne pas prendre des Bibles qui sont toutes de la même origine. Vous voyez, par exemple, là, entre persévérance et trucs, on arrivait à trouver la différence, y compris. Voilà. Bien. On n'a plus qu'à vivre. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci.